Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Bieber left, 75, Katie, Omaha, we're good. Last play of the game, who's gonna win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery, yeah! Go ahead, goal line, touchdown, touchdown, touchdown! Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour l'épisode numéro 228 du podcast Jeune Actuel en MTI. Très heureux de vous retrouver pour, et oui je me dis qu'il y a un écho, c'est parce que c'est mon retour. Très heureux de vous retrouver pour votre débrief du mardi. Nous sommes évidemment en direct comme tous les mardis avec un petit changement. On s'est délocalisé sur YouTube, je le dis tout de suite, et malheureusement pour ceux qui nous loupent sur Facebook, il y a un petit souci technique avec Facebook. Mais bon, vous pouvez aussi nous écouter, évidemment vous êtes encore plus nombreux à nous écouter en replay sur iTunes, sur SoundCloud, etc, etc. À mes côtés, Raoul Villeroy, bonjour. Hello. Grégory Richard, bonjour. Bonjour, monsieur. Et Camille Sarabella, la technique, bonjour. Bonjour. On vous rappelle d'abord que le podcast Jeune Actu du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées Game On tous les dimanches encore cette année. Et la prochaine, évidemment, c'est celle du Super Bowl. On vous a mis un lien pour réserver sur le site et ça va bientôt être complet. Alors dépêchez-vous si vous voulez y aller. Et je précise à la Veggie Family que j'y suis allé parce qu'on avait un petit rendez-vous de préparation de la soirée la Super Bowl. Qu'ils ont un nouveau burger avec un steak de chou-fleur qui est vachement bon et qui est végétarien aussi, c'est vachement bon. Voilà, je précise. Ouais, non, mais c'est vrai. Tu m'as perdu à steak de chou-fleur. Mais non, mais c'est super bon. Ils savent comment te charmer. Fais pas le fermer comme ça. Oh là là. Attends, tu manges ce que tu veux, Alain. Moi, j'ai aucun problème. Mais ça va, le chou-fleur, c'est pas. Bref. Bah, déjà, le chou-fleur en soi, c'est pas ouf, mais alors en steak. C'est bon. Très bon, chou-fleur. Foulé. Non mais voilà. Bonjour à tous nos amis végétariens. Bonjour à eux. Non mais Raoul, c'est le meilleur pour dénigrer les gens et ensuite en plus je parle d'un partenaire et pour taper dessus. Mais je dénigre personne. Voilà. Raoul, tu j'ai dit que j'aimais pas le chou-fleur. Donc voilà. J'ai dit que j'aimais pas le chou-fleur, c'est dingue. Donc merci beaucoup Raoul. Sur moi que ça retombe. Débrief des finales de conférence et c'est lui qu'on envoie au Super Bowl. Oui. Tu te rends compte avec tout l'argent qu'il nous fait perdre. Le débrief des finales. Il a pas payé un chou-fleur à Minneapolis. Non, clairement. Bon, bonjour à tous ceux qui sont sur le chat, vous êtes déjà nombreux sur YouTube. Il y a des tant mieux, j'ai pas Facebook. Donc, le débrief des finales de conférence, les tops et les flops et vos questions. C'est parti pour un nouvel épisode du podcast Jeune Actu. Patriots 24, Jaguars 20, il l'a encore fait, 10 points de retard dans le dernier quart, une grosse défense en face, et puis deux touchdowns dans les dernières minutes, dont celui de la victoire à 3 minutes de la fin. On ne sait plus quoi dire sur ces Patriots qui vont jouer leur 8e Super Bowl avec Tom Brady, c'est-à-dire la moitié de ses saisons en tant que quarterback titulaire. C'est juste délirant. Il fait quoi les 10 autres années? Oui, voilà. C'est vrai. Pourquoi il n'y est pas tous les ans? C'est vrai. Il est quand même irrégulier. Il est blessé chronique. Hein. Il n'est pas blessé une année? C'est ça. Une année, il n'est pas au Super Bowl. Une année, il est au Super Bowl. Ouais. Une année, c'est irrégulier. Franchement. C'est très irrégulier. Bon, ils ne sont jamais morts. C'est aussi l'enseignement de cette soirée. On l'a vécu. Et je pense que le Super Bowl de l'an dernier, ils ont produit ses effets. Il y avait quand même une sorte de méfiance de tout le monde jusqu'à la fin. Nous, on avait dans l'équipe Raphaël, hein, qui est pas là aujourd'hui, mais qui faisait la vigie, qui nous rappelait à chaque touchdown, c'est pas fini. Rappelez-vous de l'an dernier, j'étais dans le stade. Je l'ai vu. Voilà, je l'ai vu. J'ai le souvenir et des témoins. Hein, ils l'ont relâché exprès pour qu'ils puissent raconter aux autres ce qui s'était passé. Il laisse toujours un survivant. Exactement. Donc voilà, Tom Brady à 26 sur 38, 290 yards de touchdown, sans Rob Gronkowski pendant une bonne partie du match, sans Julian Edelman. On rappelle quand même son receveur numéro 1, en tout cas receveur, pas tight end, qui n'est pas là depuis un petit moment. C'est exceptionnel, je ne sais plus quoi dire personnellement. Non, et puis sans jeu au sol très performant non plus, parce que le jeu au sol des Patriots a été bien bloqué par cette défense des Jaguars, qui fait quand même pas un mauvais match. Prendre que 24 points de ces Patriots-là, c'est pas une honte. Maintenant, tu l'as dit, je ne sais pas quoi dire de plus que tout ce que tu as dit, parce que ça parle largement pour soi, et rien que le fait qu'il soit là tous les ans, qu'il soit aussi régulier et que 10 points de retard, tu sais que c'est jouable, tu sais qu'ils vont revenir. Je regardais le match et tu sens très bien qu'à la fin du troisième quart-temps, il n'y a plus de momentum pour Jacksonville, et c'est le moment où les Patriots, c'est ce qu'ils adorent, c'est remonter, faire semblant que en fait ça allait pas du tout, paf, tu parles, bah ça va pas manquer. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que, alors on découvre pas les qualités de joueur de Brady, on découvre encore moins ses qualités mentales.
on se rappelle quand même, tu prenais l'exemple du Super Bowl de l'année dernière, il a quand même une première mi-temps catastrophique, où il y a un pick six, où il y a vraiment une défense qui est quand même très intense en face, qui met vraiment beaucoup de pression. On sent presque le doute dans son regard en fin de première mi-temps, et malgré ce, il arrive en deuxième mi-temps à vraiment reprendre le match en main. Là, on était exactement à la même configuration, où en effet, tu le dis, il perd Ron Gronkowski. Alors, je ne vais pas dire que c'est une bonne chose, mais le mal pour un meilleur, je pense, du côté New England, c'est que Gronkowski sort sur commotion juste avant la pause. Mmh. Ça a peut-être permis aussi à New England de revoir un petit peu son plan de bataille offensif à la mi-temps. Mmh. Peut-être qu'en deuxième mi-temps, ça aurait été un petit peu plus délicat, mais en tout cas, il y a eu d'autres options explorées. Un joueur comme Danny Amendola, forcément, a été beaucoup plus exploité et a raison. Danny Playoff, hein, on le surnomme. Ouais. C'est ça, on ne voit pas de la saison. Et il y a des jeux où vraiment, ils ont fait mal au moral de Jacksonville. Enfin, il me semble qu'à un moment donné, je crois qu'il y a une 3e et 18 pour New England, qui doit être à peu près dans les 50. On se dit, bon, avec la défense contre la passe des Jaguars, ça ne va pas passer. Et pourtant, il arrive à trouver la passe juste plein centre. Bah, d'ailleurs, je crois pour Amendola. Ouais. Donc voilà, c'est clairement des actions qui ont permis aussi à New England de récupérer petit à petit le momentum. Il y a d'autres éléments dont on va parler qui ont joué également. Mais c'est sûr que voilà, il y a aussi cette portée mentale qui est encore plus impressionnante pour Brady, au-delà de l'aspect purement technique et physique, puisque bon, voilà, on n'oublie pas qu'il avait aussi une main en plus, et alors, une main diminuée. Alors, je ne sais pas combien il avait de points de suture, très honnêtement, parce que c'est passé de 4 dans les premières infos, ensuite c'est passé à 10, et ce matin j'ai même entendu 12 sur une chaîne US. Alors, je pense qu'il s'est rajouté des points de suture à la mi-temps pour. Alors, après, on va finir le tout. Je sais pas ce que. J'ai jamais eu de points de suture, donc je sais pas à quel point c'est gênant ou pas, mais c'est forcément pas un avantage en plus. Donc, bah, ça se sent. Voilà, donc ça doit pas être agréable. Après, vous parliez du jeu au sol, donc 34 yards pour Dion Lewis, qui est leur meilleur coureur, dont 18 yards sur une seule course, qui est celle qui scelle le match pour gagner le dernier first down. Mmh. Donc, c'est peu dire qu'il a pas été aidé par le jeu au sol, en plus Brady, donc voilà, il a été le métronome. Et un fumble, en plus. C'est Lewis qui fait un fumble. C'est Lewis, mais sur une réception. Ah, c'est sur une réception. Après, parce qu'il y a la flea flicker avant. Ah, oui, ouais, après, faut pas oublier que le jeu des running back à New England, on leur demande pas de faire, généralement, on leur demande pas de faire 80 yards au sol, c'est souvent des coureurs qui sont amenés à beaucoup écarter le jeu, à, on va dire, brouiller un peu les cartes pour les défenses adverses, et ils ont souvent tendance à sortir du backfield ou en tout cas à être précieux sur les jeux spéciaux. Il y a eu quand même pas mal de flea flickers, mine de rien, j'ai pas l'impression qu'il y en ait autant sur chaque match. Et bon, voilà, je sais plus si c'est Lewis ou un autre running à un moment donné qui était quand même assez à l'aise dans cet exercice là il y a eu notamment les reverse ou ce genre de choses, ce qui amène notamment à l'action un petit peu polémique avec Miles Jack. Donc voilà, les running backs n'ont pas que ce rôle-là à New England, et ça a quand même permis aux Patriots d'avoir un impact, même si à la course, c'était pas fabuleux. Les running backs, c'est du bonus, en fait, à New England. S'ils en ont besoin, ils les utilisent à fond. Là, ils avaient besoin de revenir au score, bah, pas besoin de plus. Alors, on passe à Jacksonville. La question numéro 1 que j'ai envie de poser, parce qu'on en a pas mal parlé, donc c'est Blake Bortles. Mmh. Est-ce qu'il est à blâmer sur ce match? Qu'est-ce qu'on doit penser de sa performance? Parce que ça a été un sujet de débat. Blâmer, c'est difficile de blâmer un quarterback qui est arrivé en finale de conférence. Maintenant, et c'est ce que tu dis justement, il faut faire la distinction entre ne pas faire perdre son équipe et la faire gagner. Il n'a pas fait perdre son équipe, mais je te rejoins là-dessus, je ne pense pas qu'il avait de quoi la faire gagner, puisque à mon avis, il a joué au top de ses capacités sur ce match-là. Tu me rejoins alors que je ne l'ai pas encore dit, en fait. Bah, c'est parce qu'on en a parlé avant. Ouais, on en a parlé en interne. Sur le chat interne du site. Donc les gens ne sont pas forcément au courant. Mais tu en as parlé un peu sur les réseaux aussi. Ce qui aurait été ma sortie des réseaux, en l'occurrence. Mais tu nous as annoncé pendant tout le match, à peu près en tout cas pour les trois premiers cartons, que en gros, Bortles finirait de toute façon par coûter cher à Jacksonville, si je ne trahis pas ta pensée. J'ai exprimé sur Twitter, en effet, j'ai dû dire un truc, c'était bravo Jacksonville, l'année prochaine revenez avec un quarterback, quelque chose comme ça. Alors, c'est ce qui s'appelle une blague, voilà, ce qui m'a pas empêché qu'on me tombe dessus, etc. Ça s'appelle un petit blague, troll, c'est Twitter. Troll, ça fait pas de mal. Si vous espérez que j'exprime une pensée qui vaut 3000 signes en 280, c'est un peu compliqué. Donc Twitter, c'est Twitter, l'émission, c'est plus pour expliquer, donc désormais, je m'expliquerai que dans l'émission, parce que ce sera plus simple. Mais tu feras des blagues quand même. Oui. Non, juste dans l'émission, mais pas sur Twitter. J'arrête. La team premier degré est trop puissante, j'abandonne. Donc, alors, c'est vrai qu'après, on a eu la discussion dans la rédaction, et c'est Nelson Kenyar, qui est de Perm ce soir d'ailleurs, notamment, que je salue, qui a eu la formulation la plus juste, et c'est pour ça que je le cite, c'est en effet, Bortles n'a pas fait perdre son équipe.
D'accord. Mais il ne pouvait pas la faire gagner. Il ne peut pas la faire gagner. L'attaque de Jacksonville en deuxième mi-temps, c'est field goal, punt, 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 échec sur quatrième. Alors, et il est à 3 sur 9 sur ses dernières passes. Alors, je suis d'accord avec toi. Sauf que moi, ce qui m'embête encore plus, et je pense que Raoul ou toi allez y venir, mais c'est surtout la gestion du coaching staff. Alors, ton quarterback, il n'est pas bon, tu peux au moins tenter le tout pour le tout, plutôt que de faire l'aveu clairement en lui disant « Écoute mec, t'es le maillon faible, on va gagner alors, la vraie, toi. » Mais j'allais y venir. Moi, je veux bien. Je savais. Mais c'est ça. Moi, il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on me dit, moi j'ai eu plein de gens qui m'ont dit « On lui demandait pas d'aller gagner le match. » Alors, très bien, mais il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que moi, quand un mec est en finale de conférence, j'attends qu'il puisse aller gagner le match. Je m'éclate pas à regarder des types où on dit « Non, non, nous, on lui demande juste de donner le ballon et il a fait ce qu'il avait à faire. » Ah, mais il y a un juste milieu dans le fait de ne pas perdre le match. Non, mais on est d'accord. Mais moi, on lui demande de faire ce qu'a fait Nick Foles au tour précédent contre Atlanta, par exemple. Sauf que Nick Foles, c'est meilleur que lui. Il l'a montré dimanche soir. Et Nick Foles, il le montre sur ce week-end-là. Il y a peut-être d'autres week-ends où Bortles sera meilleur. On rappelle qu'il a quand même eu une bonne période au milieu de la saison. La période, par exemple, où les Jaguars vont battre Seattle ou ce genre de période-là. Il est capable de coups d'éclat, malheureusement. Mais alors, attends, il est aussi capable de la question du play call. Moi, quand tu parles du play call, si le play call il est ce qu'il est, comme tu dis, c'est qu'ils n'ont pas confiance en lui. Oui. Ils savent qu'il ne peut pas les faire gagner. Ils le voient à l'entraînement tout le temps. Et là où, par contre, je suis d'accord avec toi, c'est que bien sûr, tu as choisi d'avoir ce quarterback-là, parce que c'est leur choix aussi, ils l'ont gardé. Bah, ouais. Donc, en effet, c'est vrai que le play call est frileux. T'as choisi ce mec-là, alors vas-y, tente le tout pour le tout. S'il doit te tuer, il va te tuer. Mais en effet, ils ont joué, et comme ils ont joué quasiment toute la saison, en disant on joue pour que Blake Bortles ne nous tue pas. Tu vois, et le problème, c'est qu'en fin de match, tu ne peux pas gagner comme ça. Tu vois, ce qui est problématique, c'est que t'as une première mi-temps où Leonard Fournette fait du Leonard Fournette, où il rentre dans la tronche des run-stoppers de New England, où il permet notamment aux Jaguars de prendre de l'avance. Il y a 17-10, c'est ça la mi-temps pour Jacksonville, avec notamment des TD qui sont marqués très rapidement par 14-10, je crois, hein, plutôt. Donc 14-10, il marque les deux field goals relativement rapidement, on dira, dans le match. Mais on sentait que le jeu au sol était vraiment difficilement arrêtable de la part de la défense de New England. T'as pas moyen de capitaliser là-dessus, de dire ils vont considérer notre jeu au sol. Donc Bortles, il n'a pas une pression aussi énorme que sur d'autres rencontres. Sauf qu'à partir du moment où tu décides à 55 secondes de la mi-temps de poser le genou au sol en faisant comprendre que comme l'une de tes rares possibilités, c'est de jouer à la passe, t'as pas envie de prendre ce risque. Je suis totalement d'accord avec toi. Du côté New England, c'est foutu. On bloque Fournette et on sait que derrière, c'est fini. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais la preuve, justement, moi, c'est ce genou au sol à 55 secondes de la fin de la mi-temps avec deux temps morts. Ils en avaient deux temps morts. C'est le fait du match. C'est le fait du match. Jamais de la vie. Et j'écoutais Ross Tucker qui a son podcast. Il disait, j'ai jamais vu ça. En finale de conf, 55 secondes, deux temps morts, tu vas chercher des points. Les commentateurs étaient choqués. C'est délirant. Moi, je ne comprends pas. Et comme tu dis, alors ça envoie le message à New England que les mecs, mettez tout le monde devant. Tant que vous avez stoppé Fournette, c'est fini. Et donc voilà. Mais ça montre aussi que le quarterback, il n'est pas bon. Et qu'ils le savent. Donc, qu'on dise. Oui, mais il n'est pas mis dans les bears. C'est juste ce que je veux dire. Il joue je ne suis pas en train de te dire que c'est un QB élite. En plus, on ne le met pas dans les meilleures dispositions. Sûr, donc, forcément, tu risques pas d'en tirer la quintessence. Alors, après, il y a deux trucs. C'est que le play call, il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais le play call au début du match. Il joue sur ses forces avec des play action, avec des trucs où ça lui donne des passes qui sont complétables, où il peut bouger un petit peu, même s'il ne court pas, mais il bouge un petit peu. Mais au bout d'un moment, pour gagner un match, il faut être dans la poche, il faut bouger dans la poche, il faut compléter des passes. Ce qu'a fait Nick Foles, ce que lui ne peut pas faire. Il ne peut pas gagner un match comme ça. Non. Donc, de toute façon, ils sont morts à partir du moment où le match est serré en fin de match. C'est fini. Parce qu'ils vont stopper Fournette deux fois. Ils vont tenter une passe éventuellement. Et il ne peut pas les faire. Donc, j'ai rien contre lui. Je ne m'acharne pas juste contre lui pour m'acharner. Ce serait débile de dire qu'il n'a pas de limite à son crayon depuis son arrivée en NFL. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, les gens me disent « Ouais, mais t'as vu sa fiche, elle est bonne, etc. » Bien sûr, ils lui ont fait lancer les ballons qu'il pouvait lancer. Mais c'est un peu comme la musique ou comme le cinéma. Les silences, ils sont aussi importants que les sons. Et les silences, c'est les jeux qu'ils appellent pas et qu'ils osent pas appeler. C'est les passes qu'ils osent pas appeler. Et ils auraient même pu le faire plus courir. Moi, c'est ce que j'allais dire. Il est mobile, il l'a montré en début de deuxième mi-temps contre Buffalo et ils l'ont pas fait utiliser en ce registre. Je dis pas que le play call est parfait, mais encore une fois, pour moi, les silences en disent autant. Et les silences, c'est de pas oser y aller à 55 secondes de la mi-temps. C'est de pas oser lui faire lancer des passes à la fin parce qu'ils savent qu'il est limité. Et après, je suis d'accord avec toi. Par contre,
Moi, les mecs, vous avez choisi ce quarterback là, assumez, faites-lui lancer. S'il doit vous tuer, il vous tue. S'il doit être le héros, il est le héros. Je suis d'accord. À la fin, en fait, ce qui est dommage, c'est que même s'ils savent qu'il est pas bon, t'es en finale de conférence, ta saison qui est déjà exceptionnelle parce que personne te voyait là, se joue là. Tente, c'est pas grave s'il se fait intercepter, de toute façon, t'es derrière. Il faut faire quelque chose. Tu vas pas lancer trois fois Fournette qui va se faire arrêter. Mais dans les faits, et même c'est pas ce qu'ils sont complétés en première mi-temps, excusez-moi, c'est pas des belles passes, c'est pas des trucs qui sont serrés, c'est des trucs où quand même tu serres les miches à chaque fois quand tu la vois partir. Voilà, mais il les fait pas perdre. Bah, la mais preuve, il la dernière, qui est déviée, elle est pas là. Non, mais il y en a une qui est déviée par Trey Flowers, qui voilà. Enfin, il lance quand même des saucisses, quoi. Donc au bout d'un moment, j'ai encore une fois, moi, j'ai rien contre lui. C'est juste qu'il est limité, qu'on l'a vu, et après qu'on me dise pas, ouais, mais c'est une équipe jeune, c'est pas grave, ton petit. Non, mais voilà, mais moi, t'es en finale de conf, t'es là pour gagner. Moi, mon propos, c'est juste de dire que c'est une faute plus générale. Je pense que axé sur Bortles, c'est pas une erreur. Il y a de tout. Mais pour moi, le coaching staff. Et alors, ça revient. Alors, je sais pas si t'allais enchaîner là-dessus, donc je me permets d'anticiper un petit peu. Mais. Et ça, c'est un sujet qu'on a de manière récurrente sur le chat interne du site. C'est. Voilà. Le niveau d'un coach comme Bill Belichick. Là, c'est pareil. On découvre pas son talent technique, ce qu'il est capable de faire, les ajustements qu'il peut faire, notamment à la mi-temps. Mais encore une fois. C'est peut-être le seul coach dans l'histoire de la Ligue qui arrive à faire péter les plombs ou en tout cas à faire complètement déjouer l'adversaire sans rien faire. Mais et alors là, et c'est pareil, c'est là où je ne peux pas expliquer ça en même un tweet ou deux ou en un thread sur Twitter. Bien sûr que je dis que Bortles ne peut pas faire gagner son équipe parce que pour moi, c'est les faits. Mais il perd pas ce match et les Patriots sont juste meilleurs. Ils sont meilleurs que lui. Bah, voilà. J'ai même pas envie de blâmer la défense ou Bortles ou quoi que ce soit. Les Patriots ont été meilleurs et on savait que dans une configuration où ce serait serré, Bortles ne pouvait pas aller chercher ce match et ils ont été meilleurs. Et pareil, on savait que du côté de Jacksonville, la grande force c'était la défense. Ils ont été abandonnés par quelques joueurs, notamment au sein même du backfield défensif. Oui. AJ Bouye fait un très mauvais match. Tashaun Gibson, alors qui était un petit peu diminué avant le match, mais il y a beaucoup de comment dire de duels de tracés sur lesquels il est distancé, qui sont extrêmement coûteux, qui permettent des premières tentatives, voire des touchdowns pour New England. Donc voilà, c'est aussi des secteurs qui vont peut-être être à considérer pendant l'intersaison du côté de Jacksonville parce que ça a fait défaut. Alors après, la défense de Jacksonville a eu un coup de moins bien et prend deux touchdowns en fin de match, mais c'est pareil, moi je peux pas les blâmer non plus. Les Patriots gagnaient 394 yards et 28 points par match en saison régulière. Là, ils sont à 344 yards et 24 points. Ils ont été limités à 10 points sur les trois premiers cartons. Ils ont été limités à 3 sur 12 en troisième tentative. Et la défense a arraché un fumble. Donc moi, j'ai du mal à en vouloir à la défense, sachant que derrière le fumble, ils capitalisent pas. Ils font un three and out. Et donc moi, j'ai du mal aussi. Ils lâchent sur la 3ème et 18 contre Amendola. Très bien, mais c'est la deuxième fois que c'est seulement la deuxième fois qu'il lâche sur troisième tentative dans tout le match, alors qu'on est déjà dans le quatrième. Donc c'est quand même dur de l'en vouloir. Tu joues Tom Brady, c'est le meilleur quarterback de l'histoire. Forcément, en fin de match, t'as des ajustements qui sont plus durs à faire en défense. Et il joue le meilleur joueur de l'histoire. On va pas se mentir. On est d'accord, mais il y a aussi cette problématique, et c'est aussi ce qu'on soulignait avant le match. Il y a aussi cette jeunesse relative quand même dans cette défense qui fait que sur des jeux cruciaux où là encore tu peux vraiment faire le break, vraiment casser définitivement le momentum de New England, tu laisses quand même les Patriots dans le coup, comme l'ont fait les Falcons notamment l'année dernière, et c'est aussi ce qui permet à New England de revenir. Mais tu vois, là où moi ça m'embête, et on avait déjà eu le débat, est-ce qu'il vaut mieux avoir une grosse défense ou un bon quarterback, etc., c'est là où moi j'ai du mal à en vouloir à la défense. Bien sûr, ils ont lâché un peu en fin de match, etc., mais c'est un boulot collectif. Et quand ils arrachent le fumble, l'attaque, elle doit mettre un coup de massue derrière. Quand ils maintiennent Tom Brady et l'attaque des Patriots à 10 points pendant 3 quarts temps, ils doivent mettre un coup de massue supplémentaire. Et donc voilà, encore une fois, les Pats sont meilleurs sur l'ensemble, mais je trouve ça difficile de dire « Ouais, c'est la défense qui les a lâchés. » En gros, tu demandes à la défense d'être une des meilleures de l'histoire contre un des meilleurs joueurs de l'histoire, et on exonère le quarterback en disant « Ouais, mais c'est pas de sa faute quand même, il a marqué 10 points. » Mais là-dessus, on est d'accord. Sachant que l'attaque passe de moins en moins de temps sur le terrain, donc forcément, ta défense se fatigue. Miles Jack doit sortir sur blessure en cours de deuxième mi-temps. Il y a Darius aussi. Jack et Darius. Darius, ouais, d'accord. Mais Jack aussi. Oui, juste avant. Oui, Jack, je m'en rappelle bien. Donc voilà, donc c'est sûr que alors, New England compose aussi avec des blessures, mais encore une fois, voilà, ça aide pas dans une période où Jacksonville est clairement dans le doute, et encore une fois, et passe de plus en plus de temps sur le terrain. Forcément, ça commence à se payer. Moi, encore une fois, je
Oui, il y a un petit truc, mais tu peux pas gagner un match de foot américain juste avec la défense. Ou non. Donc il faut quand même que l'attaque. Et encore une fois, c'est pas contre lui. Attends, il t'envoie un message. Il va y venir. Ah bah, je le sens bien depuis tout à l'heure. Après, moi, ça me va. La semaine dernière, tout le monde m'a dit: ah, t'as vu, ça prouve que la défense, c'est important et pas le quarterback, etc. Et je l'ai dit dans la semaine dernière, dans l'émission, j'ai dit: on en reparlera quand Tom Brady soulèvera son 6e trophée, ce qui va arriver. Donc, c'est parti. Non, mais voilà. Donc, et ça le montre. Il y a des stops, derrière il faut mettre des coups de massue. Donc ok, la défense elle a lâché un peu, etc. Mais si t'as pas un quarterback, et encore une fois c'est le choix des Jaguars, il fallait qu'ils vivent avec. Ils ont voulu garder Blake Bortles. Ouais, mais après ils tous les quarterbacks sont pas Tom Brady non plus. Là c'est forcément ça va dans ton sens, parce que tu dis un bon quarterback te fait plus gagner qu'une bonne défense. Je trouve que c'est plus facile d'avoir une bonne défense comme celle des Vikings, comme celle des Patriots, comme celle des Jaguars, que d'avoir un bon quarterback comme Tom Brady. Ouais, je pense. Ouais, sauf que encore une fois le bon quarterback il est nécessaire. Ah mais si t'as le choix entre un Tom Brady et une bonne défense, bien sûr tu prends Tom Brady, mais entre un bon quarterback et une bonne défense. Je te dis même pas ça, comme je l'ai dit là pour Bortles, c'est un effort collectif. Il fallait que la défense tombe, il fallait que lui aille mettre des points. D'accord. Il pouvait plus mettre assez de points. Après, faut pas oublier, faut pas perdre de vue un élément, c'est quand même que Doug Marrone est dans sa première saison de head coach à Jacksonville, parce qu'il était déjà, il faisait déjà partie du staff, mais c'était vraiment la première année où il avait vraiment le contrôle de l'équipe. Première année de Tom Coughlin également au sein de l'organigramme. Il y avait peut-être aussi cette volonté de voir définitivement ce que valait Bortles sur cette saison-là. Voilà, c'est un joueur qui a quand même été troisième choix de la draft, qui avait toujours du mal à confirmer. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de la part de l'organigramme de dire, au lieu de laisser partir un joueur qui a été début premier tour et qui peut éventuellement se révéler ailleurs pour qu'on passe encore pour des bidons, voir ce qu'il donne. Non mais concrètement, là ils ont une idée beaucoup plus précise. Et d'accord. Là, on jugera vraiment en fonction de leurs actions pendant l'intersaison. D'accord. Donc là, vu qu'on fait un petit point pour ouvrir vers l'avenir des équipes, on peut le faire maintenant sur Jacksonville. On est d'accord qu'il faut qu'ils trouvent un quarterback. Oui. Ils peuvent pas reprendre Blake Bortles comme titulaire. On le sait. C'est Emmanuel qui va venir à Jacksonville. je pose la question parce qu'on m'a encore balancé du oui, mais non, là, il a quand même fait ses preuves l'année prochaine, etc. Non, mais justement, mais c'est le même débat qu'on a eu avec le coach des Titans, avec Mike Mullerkey. C'est oui, c'est très bien, ça progresse et plein d'équipes aimeraient être à leur place, aimeraient être en playoff, aimeraient être en finale de conférence. Mais si ton but c'est un jour gagner un titre et que tu vois que avec ce quota-là, tu n'y arrives pas, il faut faire des changements. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Et autre chose. Faut pas oublier, je pense que pour moi on est dans la même configuration, alors toute proportion gardée, je le précise. Attention. À New York chez les Giants début des années 2000, enfin milieu en l'occurrence, Eli Manning qui reçoit la concurrence de Kurt Warner. Bon, c'était sa première, il était rookie. Bon, c'était pas de la concurrence. Bon, c'était dans rookie. Ses premières années quand même. C'était les premières saisons. Attention pas là. Il est rookie. Ne sois pas mauvaise pas. Oui, non, mais c'est dans ses premières années quoi. C'est dans ses premiers mois NFL. Bortles c'est quand même encore plus ou moins ça. Bon, il est toujours dans son contrat rookie. Enfin, il a été titulaire pendant 3 ans. Il est toujours dans son contrat et rookie. Et Manning a mis Warner sur le banc. C'est moi qui suis mauvaise pas. Mais bon, bref. C'est pas là mon propos. Bortles, il est quand même arrivé en NFL en ayant la farouche concurrence de Chad Henne à Jacksonville. Peut-être que si tu lui mets un vétéran expérimenté comme Eli Manning qui a déjà remporté des bagues notamment, peut-être que celui qui est décrit comme un peu désinvolte, notamment en dehors du terrain, peut-être qu'il va se refocaliser aussi et travailler un peu plus son jeu. Mais honnêtement, faut le mettre de toute façon dans un contexte beaucoup, clairement différent de celui qui est aujourd'hui. Honnêtement, qui nomme Bradford, Bridgewater, Alex Smith, ces quatre-là sont plus ou moins disponibles d'une manière ou d'une autre, si je comprends bien, pendant l'intersaison, et éventuellement Kirk Cousins, file du pognon à ceux-là, c'est déjà un upgrade. Ah bah ouais. Voilà. Mais n'importe lequel des cinq. Si tu dis qu'il faut le mettre en concurrence, il faut lui donner un peu un contexte et tout. Si une finale de conférence, c'en est pas une, je sais pas ce qu'il te faut. Au bout d'un moment, si en finale de conférence, t'es pas capable de sortir ton meilleur jeu. Non mais. Moi, ce que je dis, c'est faire appel à un vétéran, parce que là, clairement, il y a beaucoup de noms que tu me souffles qui, clairement, sont amenés à être des numéro 1 totalement. Si Eli Manning signe à Jacksonville et que Bortles est meilleur pour un camp d'entraînement, il n'y aura rien d'infamant, contrairement à ce qui a été le cas à New York en fin de saison, à mettre Manning en numéro 2. Manning est en pré-retraite. Mais tandis que si tu signes un de ces joueurs-là, déjà le mettre en numéro 2 avec le pactole que tu seras susceptible de mettre. Mais on les met pas en numéro 2, tu prends Alex Smith et tu le mets en numéro 1. Si Bortles remporte le camp d'entraînement, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il faut arrêter à autre chose de Blake Bortles maintenant. Il va pas se transformer pendant l'été. Vous les voyants, moi je veux bien. Qui avait prévu de voir Bortles, Foles et Keenum en finale de conférence? Non, mais c'est pas on sait pas ce qui peut advenir. Ouais, c'est pas eux qui portent leur équipe jusqu'à la finale de conférence. Foles, il apprend à 3 matchs de la fin de la saison régulière. Tu vois le match que fait Foles ce week-end, jamais t'aurais parié sur une performance de Foles. J'aurais jamais parié, mais c'est pas lui qui y arrive non plus. Bah écoute, moi je te dis, on ne sait pas. Encore une fois, Bortles a montré des bonnes choses cette saison.
mon propos, il n'est pas de dire que Bortles est la star incontestable de NFL, mais il a des qualités, il a des défauts. Maintenant, je trouve, je pense qu'il y a des terrains à creuser, même si pour moi, Bortles, oui, en effet, ne sera peut-être pas la solution finale pour Jacksonville. Il y a Sébastien qui dit, tu prends Breeze et Graham au Jaguars, tu en parles plus. C'est vrai que Breeze est free agent, il a dit qu'il voulait rester au Saints. Tu arrives avec un camion de la Brink sous deux devant chez lui. Ouais, ça m'étonnerait que Breeze parle de New Orleans. Non, ça, c'est un autre débat. Il partira pas. On taquine, mais il partira pas. Bon, en tout cas, et alors dernière question, parce que je sais même pas si on doit évoquer le sujet ou pas. Bien sûr. 9 pénalités à 1. Ah non, c'est ça que t'allais aborder. Tu sais pas, tu voulais aborder quoi? Fumble, pas fumble. C'est même pas ça. Ouais, moi je suis plus d'accord. Non, fumble, pas fumble. Ah non, non, attends, c'est pas ça. C'est fumble. Est-ce que t'arrêtes là? Est-ce que t'arrêtes l'action ou pas? Raoul précise bien. Action arrêtée ou pas arrêtée? Ah bah moi, il faut. Pour moi, je serais partisan que tu la laisses et que tu revoies la vidéo pour être sûr. Surtout que ce que je comprends pas, c'est que ils disent fumble. Donc ça, ils sont sûrs qu'il y a un fumble, mais derrière, ils sont sûrs que ça s'arrête. Ils font suffisamment d'erreurs pour qu'on laisse couler de temps en temps et qu'on garde la vidéo après, sinon la vidéo elle sert à rien. Non, mais soit tu dis tout de suite il y a pas fumble et on arrête l'action et on revoit et auquel cas on change, soit tu dis ah bah ok il y a fumble mais on laisse tout courir. En fait j'ai l'impression qu'ils ont pris une demi-décision en disant ah ouais il y a un fumble mais attends on n'est pas sûr qu'il est reparti de l'autre côté, du coup on dit fumble mais on arrête. Ce qui est assez curieux, alors je remercie la personne qui me l'a envoyé sur Twitter, malheureusement j'ai plus son nom donc je m'en excuse, qui m'a envoyé la précision apparemment de la règle de l'appréciation et qui expliquait que aux yeux de l'arbitre il y avait plus ou moins, comme le linebacker, donc Miles Jack en l'occurrence, donnait l'impression d'arracher le ballon des mains de Dion Lewis. De fait, c'était considéré comme un contact initial. Sauf que si tu regardes l'action, enfin si tu regardes le jeu, c'est clairement un jeu en deux temps. Et voilà, il y a le ballon arraché, le ballon qui est vivant, et du coup le joueur qui le récupère sans être touché. Donc c'est là où ça devient un peu problématique. Et là, encore une fois, c'est clairement, et on en parle depuis le début de la saison, c'est une question de règles qui sont beaucoup trop floues. Exactement. Au-delà de la question de savoir si ça avantage Massin, si ça avantage Bidu, de toute façon, voilà, on ne sait pas, peut-être que New England serait revenu de toute façon, même si Miles Jack avait continué l'action ou quoi que ce soit. On n'en sait rien, on n'est pas voyant encore une fois, mais il y a toujours ces règles que je trouve très floues et qui, je trouve, plombent le plaisir du spectateur stade et devant son écran. Ça, je suis totalement d'accord. Mais après, du coup, sur le sujet de la vidéo, comme tu dis, toi-même, c'est tellement flou. Laisse l'action se dérouler. Bah quoi. Oui, mais bien sûr. Laisse et l'action après, se dérouler. Avec les 9 fois sur 10, ça se. Voilà, alors, ou t'appelles un down by contact de Lewis et à ce moment-là, t'arrêtes le jeu définitivement. Ou alors, tu dis que le défenseur arrache le ballon et tu laisses le jeu se passer et tu décides. Tu fais pas la moitié. Tu peux pas faire le. Totalement d'accord. Totalement c'est d'accord. C'est juste ça qui me. On est bien d'accord. Ils ont dû siffler à un moment par erreur et du coup, comme ils ont sifflé, ils ont dû arrêter l'action. Mais j'entends même pas. Je les entends siffler avant qu'ils se relèvent. Donc, moi, je me dis, il n'y a pas fumble en fait. Ils ont juste dit, bon, bah, il est down et c'est fini. De mémoire, j'ai cru lire qu'il y avait un arbitre qui l'annonçait justement down et l'autre qui laissait l'action continuer parce que personne n'indique rien quand il se relève avec le ballon parce que et là au micro le mec dit il y a un fumble et là je dis bah, alors, parce que même au début tu sais même pas, pourquoi vous avez pas moi j'ai la sensation qu'il y a même un coup de sifflet intempestif, c'est à dire que au début tu sais même pas s'il siffle pour New England ou s'il siffle pour Jackson, c'est ça, tu donc sais pas pourquoi le mec qui a sifflé en fait. Qui a fait oh bah merde le ballon il est sorti encore une fois, du coup au moins donner déjà que les règles sont bordéliques, au moins donner des instructions, laisser dérouler l'action et on revoit en vidéo après, ce serait pas mal. Donc du coup, pour finir là-dessus, 9 pénalités à 1. Est-ce qu'il y a vol, est-ce que machin, etc. Il y en a 2-3 qui sont sévères. Maintenant, c'est pas parce qu'il y en a 9 à 1. Il y a 2 interférences défensives d'une trentaine de yards. Il y en a une où il pose les mains. Fin de première mi-temps, New England, il gagne 70 yards. Ouais, j'exagère à peine, les doigts dans le nez quand même. Ouais. Non, mais voilà, mais après, c'est. Bah, j'exagère parce qu'il y a la faute sur Gronkowski. Après, il y a certaines. Alors, déjà, il y a le coup de casque. Bon ça, c'est, voilà. Ça, c'est même s'il engage à l'épaule. C'est juste après. Il y a un casque contre casque, mais il y a un engage. Alors, ça, je sais pas si on a le temps de l'aborder. Voilà, je sais que ça fait beaucoup réagir aussi chez nos auditeurs, mais moi, je suis partisan de la règle du targeting NCA, mais il faut qu'elle soit utilisée à bon escient aussi. Parce que j'ai la sensation que dans les années à venir, il y a peut-être des coordinateurs défensifs un peu pervers, coucou Greg Williams, qui va se dire, bah tiens, on va prendre un de nos moins bons défenseurs et on va l'envoyer shooter le meilleur joueur adverse dans le casque. Et là, Como, c'est bon, on est débarrassé d'une menace offensive et puis voilà. Donc je pense qu'il faut, essayer de, comment dire, encore une fois, d'utiliser à bon escient, de voir s'il y a un geste à l'épaule, ce qui est clairement le cas sur le geste de Barry Church. Malheureusement, il emporte un petit peu tout sur son passage. Voilà.
J'ai la perception que Gronkowski baisse aussi un petit peu la tête au moment où il relâche le ballon. Ça va très donc, très vite. Pas, voilà. Ça va très très vite. On voit que des ralentis, mais en vitesse. Et voilà, mais va peut-être falloir également instaurer cette règle parce que j'ai la sensation aussi, et ça s'était vu avec Travis Kelce également lors du Kansas City-Tennessee, ça devient peut-être également une notion où on peut éjecter un des meilleurs joueurs adverses facilement. Moi, je suis assez d'accord avec Richard Sherman qui était intervenu là-dessus aussi. Il dit voilà, s'il va dans les genoux, on dit qu'il lui fait les genoux. S'il monte, voilà. Donc, au bout d'un moment, il y va comme il peut. Mmh. C'est un vrai problème. Il faut éviter les chocs contre. Mais c'est vrai que ça va tellement vite aussi. Il y a deux corps qui sont indépendants. Qui bougent. Il y en a un qui peut bouger la tête. Donc, et c'est bien. Nous, on est dans notre canapé, etc. Mais quand vous voyez que vous vous cognez avec un mec dans le couloir parce que vous n'arrivez pas à l'éviter avec votre café ou quoi que ce soit, imaginez quand vous êtes en train de courir pleine balle, en train d'essayer d'attraper un ballon. Des fois, voilà, vous vous baissez, l'autre il s'est baissé aussi. Enfin, c'est... Donc je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Et pour répondre à ta question, je ne sais plus quel joueur de Jacksonville avait eu ce propos, mais c'est vrai qu'on peut siffler l'interférence défensive sur Brandin Cooks en fin de première mi-temps. Ça peut siffler, pas siffler. Ça ne m'a pas scandalisé plus que ça, mais... Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même une action plus ou moins similaire en deuxième mi-temps. Je crois que c'est sur Marcellus Lewis. Un peu plus moyen. Où, là, pour le coup, tu peux également le siffler. Ah oui. C'est sur une troisième pour les Jags. Mmh. Ils sont en bonne situation également. Je peux comprendre aussi que Jacksonville, sur certains points arbitrales, se soit senti un petit peu floué. Et alors, du coup, la grande théorie du complot, tout ça. L'arbitre qui sourit à la fin. Non, mais alors ça, je trouve ça complètement idiot. Excusez-moi. Mais alors, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je comprends que quand tu sors d'un match un peu frustrant comme celui-là, c'est surprenant. C'est surprenant. Bah, et si on fait des captures d'écran tous les ans, l'arbitre arrive à la fin et rigole en tapant comme ça sur Tom Brady en faisant yes. Et les mecs font des captures d'écran frame by frame des matchs en essayant de trouver des sourires des arbitres. Donc au bout d'un moment, tu rentres. Non, mais pour le coup, moi je l'avais vu en direct aussi. Sur le moment, je me demandais pourquoi il vient féliciter lui et s'en va. Bon, après, c'est Tom Brady. Sinon, il y a une star, t'es content de lui dire bonjour. Il y a une capture d'un arbitre qui sourit au moment de touchdown des Patriots aussi. Alors ça, c'est dramatique. Ah, ça, j'ai vu ça. Moi, j'adore cette théorie du complot. Depuis que Trump est élu, alors si New England gagne, depuis que Trump a été élu, il n'y a que New England qui aurait été champion. Mais, non mais tu sais que, alors juste pour finir quand même moi, sur le coup de du freeze frame de l'arbitre qui sourit sur un touchdown. Vous avez pas idée qu'éventuellement il est à côté de, il y a 5 ou 6 joueurs, les mecs célèbres, ça se trouve il y en a un qui a dit une connerie ou qui a dit une blague, ça lui a tiré un sourire. Point barre. En plus, quoi. Au foot américain, en NFL, ils parlent souvent aux arbitres. C'est ça. Ils sont plus ouverts. Il y en a un qui a dit une bêtise, il y en a un qui a fait une blague, il en a fait un truc, ils font une célébration. Voilà, c'est toujours décuplé de toute façon avec les passes, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens. Il y a une paranoïa, une paranoïa totale. Et sinon, pour le coup du Super Bowl dont tu parlais, il y a cette Daily Show avec Trevor Noah qui a fait une très bonne blague là-dessus, qui disait que Patriots Eagles, c'était le Super Bowl le plus américain de l'histoire. Et il disait, c'est impossible de faire plus américain à part s'ils se réunissent pour battre les Redskins. Terrible. Et ça, voilà. On leur donne pas d'équipement. C'est rien. Ça, c'est du Trevor Noah. voilà pour la finale AFC, on passe à la NFC. Et par ailleurs, d'ailleurs, je vois pas quel intérêt la NFL aurait à faire gagner les Patriots particulièrement. Ouais, le marketing. Qui s'en foutent, chacun un vainqueur. Chacun trouve des explications. Ouais, le deuxième résumé, c'est donc Eagles 38, Vikings 7, Philadelphie était outsider. Et finalement, ils ont écrasé Minnesota. Mm-hmm. Les Vikings ont ouvert la marque et derrière, ils ont pris 38 points de suite. Et Nick Foles est passé en mode Carson Wentz ou Tom Brady, comme vous voulez. 26 sur 33, 352 yards et 3 touchdowns. Et c'est quand même ça le fait du match. Il y a eu un match. J'ai rien vu, moi, perso. C'est vrai que celui-là, il y aura moins de commentaires. Il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est terrible parce qu'en plus, les Vikings, ils ouvrent le score. Tu dis, bon, pourquoi pas. Derrière, ils prennent 38-0, quoi. 38-0, c'est ridicule. C'est ridicule quand tu sais que cette défense-là est censée être la meilleure de NFL, que sur des tracés longs, tu as des corners qui sont à 3 yards, 5 yards de leur receveur, et puis qu'ils n'arrivent pas à en mettre un seul, alors que la semaine dernière, ils te sortent des plays de ouf, explosifs, incroyables. Rien. Bah, bon. Moi, c'est vrai que il y a quand même un. Je pense que rien que la première mi-temps, parce qu'on va pas se le mentir, la deuxième mi-temps, ça a rapidement été ascensionné après le touchdown de Torrey Smith. Merci pour le troll d'ailleurs, Camille, au passage, qui a pas manqué de rappeler sur le chat, sur le chat interne, que j'avais déconseillé aux auditeurs de parier sur un touchdown de Torrey Smith. Ouais, j'ai pensé à toi aussi. Le grand visionnaire. Je reconnais bien là sa solidarité. mais bref, ceci étant dit, voilà, en première mi-temps, on a vraiment ça résume tout ce qu'a dit Raoul, c'est-à-dire qu'on a un premier quart-temps, notamment où Minnesota fait un long drive où on a l'impression qu'il découpe littéralement la défense des Eagles. Et là, on se dit, oula, ça va être difficile pour Philadelphie, même à la maison. Et il y a notamment cette deuxième mi-temps où vraiment les Vikings sont engloutis littéralement.
Alors on doit être encore en fin de premier quart quand il y a le pick six de Patrick Robinson. Derrière, il y a quand même des actions symptomatiques. C'est le fumble de Case Keenum, enfin aux portes de la zone rouge des Eagles. Et derrière, enfin les Vikings sombrent totalement. Ils prennent 10 points en même pas 30 secondes quasiment. Enfin, c'est du délire. Alors, vous voulez absolument parler des Vikings. Moi, je voulais ouvrir sur Nick Foles. Bon, je sais pas pourquoi vous voulez pas parler de mon gars Foles qui a montré à Blake Bortles que c'était qu'un quarterback. Est-ce que c'était que de jouer avec moins d'une minute à faire avant la mi-temps? Est-ce que c'était... J'adore la mesure d'Alain. J'adore. Alors, 29 secondes à jouer avant la pause, les Eagles vont chercher un field goal. Ouais, voilà. Bien sûr, mais c'est normal. Mais c'est comme ça qu'on fait. Ah, mais il y a décision du coaching aussi. Mais c'est ça. Mais parce que Peterson, c'est un gars sûr et que. Non, mais et alors. Foles est peut-être un peu mieux équipé pour le faire que Bortles. Au-delà du troll sur Bortles, c'est vrai que du coup, il a fait ce que pouvait pas faire Bortles. C'est-à-dire, les passes de touchdown pour Jeffrey et Smith sont quand même superbes. Ouais. Il bouge bien dans la poche et il est quand même. Enfin, c'est un autre mec que ce qu'on avait vu ces dernières semaines, on va pas se mentir. Il est à 4 sur 6 sur les passes qui ont voyagé plus de 20 yards dans les airs. Ils sont à 10 sur 14 en 3ème tentative contre une défense qui était historiquement bonne. Contre les troisièmes tentatives cette année. Donc, donc on parlait vous parliez de la défense, donc elle encaisse quand même 456 yards et ils ont disparu face. Le match de Nick Foles est très bon. Alors, j'en avais parlé contre Atlanta, encore une fois, il a également eu un pourcentage de complétion très intéressant. En début de troisième quart, il avait notamment été assez intéressant. Il avait été chercher les premières tentatives à la passe pour se mettre vraiment en confiance. Là, c'est pareil, on a senti une montée en puissance un petit peu progressive. Il y a ce fumble qu'il est tout près de concéder sur la pression de je ne sais plus trop qui d'ailleurs. Peut-être Griffin, juste avant le fumble de Keenum. Mais qui a récupéré. Mais voilà, vraiment. Et puis, c'est pas lui faire offense, mais vraiment, les Eagles, ils ont peut-être, selon moi, malgré les problèmes de blessure, une des lignes offensives les plus sûres. Oui. Je pense notamment au TD de Jeffrey. Il a quand même un petit peu de temps pour réussir à découper ce backfield. Donc, je voulais mettre en évidence Foles parce qu'on a eu un gros débat quarterback. C'est pas remettre en Nick Foles. Mais voilà, la suite de ça, c'est qu'il gagne ce match parce qu'il gagne dans les tranchées des deux côtés, de toute façon. Oui, c'est sûr. Largement. Voilà, il y a domination parce que la défense, du coup, on a beaucoup parlé de défense de Minnesota, la défense de Philadelphie, elle est quand même impressionnante. Alors, il n'y a qu'un seul sac statistiquement, mais l'efficacité et l'impression, moi, je sais pas pour vous, mais en regardant, je trouvais que c'était vraiment le terme défense suffocante était là pour ça parce qu'il y avait une pression et dès qu'un mec avait le ballon dans les mains, paf, il y avait un mec dessus. Mais c'est un peu ce que les Vikings nous ont habitués à faire toute la saison et c'est là où c'était encore plus choquant comme contraste, c'est que. On avait dit en preview que la défense des Vikings, elle fait pas beaucoup de turnover, mais elle t'empêche de progresser littéralement. Mmh. C'est-à-dire que tu ne peux rien faire, quoi que tu fasses. Et là, les Eagles, non seulement ils ont provoqué les turnovers, mais en plus, ils les ont empêchés d'avancer. Donc à partir de là, la formule était gagnante à tous les coups, puisque bah, qu'est-ce qu'ils nomment ? Qui n'est pas le meilleur quarterback de la ligue, hein, c'est sûr. Ah, bah là, on l'a vu, là en l'occurrence. Déjà, qui est peut-être pas le plus mobile, mais qui s'en est sorti jusque-là toute la saison. Là, c'était quand même autre chose. Hein. Et puis, il y a quand même une stat qui est assez symptomatique. Le meilleur receveur des Vikings, c'est Jerry McKinnon. C'est-à-dire qu'on n'a réussi à installer un jeu un tant soit peu long. J'ai presque envie de dire que Case Keenum nous a presque fait du Alex Smith de la grande époque sur ce match-là, avec beaucoup de passes très courtes. L'échelle de Keenum Ça peut être le nouveau standard. S'il est tagué, j'aime bien. Mais donc, c'est ça. Donc, vraiment, les Eagles ont tout fait pour vraiment éloigner la menace profonde de Minnesota. Alors, on savait que Thielen était diminué, mais bon, il a quand même été pas mal dominé sur son duel à distance, sa mise à part. Stephon Diggs a eu quelques bonnes phases, notamment sur la première série. Il me semble qu'il est quand même assez précieux. Mais voilà, ils ont deux grosses menaces au poste de receveur et malgré ce, ils se sont vraiment prémunis contre ça pour vraiment aller chercher Minnesota dans les tranchées et ça a été de pire en pire au fil du match. Ouais. Ils perdent leur centre titulaire Pat Elflein au début du troisième quart, je crois. Donc après, c'était complètement achevé pour eux d'un point de vue offensif. Alors un petit mot sur ce débat qu'on a repoussé très longtemps, qu'on a un petit peu eu dans le fauteuil. Case Keenum est à 28 sur 48, 271 yards, un touchdown, deux interceptions. C'était son premier pick six de la saison quand même. C'est dur parce qu'il n'en avait pas eu beaucoup. C'était seulement son deuxième fumble. Donc il n'avait pas été mauvais. La suite pour Minnesota, trois quarterbacks free agent, Case Keenum, Sam Bradford et Teddy Bridgewater. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Il y a un franchise tag qui est disponible. Ce serait quand même 23 millions de dollars, hein, si je ne dis pas de bêtises, pour le quarterback. Est-ce qu'on est prêt à mettre 23 millions de dollars sur Case Keenum pour le bloquer? C'est sur un an. Sur un an, toi, tu l'aimais? Moi, en l'occurrence, Bridgewater et Bradford posent des problématiques, notamment d'un point de vue blessure.
Je le disais dimanche, c'est sûr que c'est des plus gros investissements que l'a été Keenum. Maintenant, voilà, encore une fois, on ne sait pas sur la durée ce que ça peut donner. Les deux sont quand même blessés pas mal de fois. Et Keenum a quand même été relativement intéressant. Le souci, c'est qu'il va, c'est officiel maintenant, il va y avoir un changement de coordinateur offensif du côté de Minnesota. Il faut voir comment il va gérer ça. Donc, un deal d'un an, certes, très bien payé. Voilà, les Redskins l'ont bien fait pour Kirk Cousins, qui est quand même un petit peu au-dessus de Keenum, selon moi. Ça vaut le coup de tenter du côté de Minnesota et éventuellement de drafter si ça marche pas. Il n'est pas que un petit peu au-dessus quand même, hein. Il est beaucoup au-dessus. Oui, j'essaie de rester mesuré, mais oui, pour moi, Cousins, elle est assez largement au-dessus de Keenum. Moi, je suis pas convaincu par le franchise tag pour Keenum dans la mesure où jusqu'à maintenant, je le laissais titulaire volontiers de l'attaque des Vikings parce que il avait pris un rythme toute la saison et que cette équipe-là fonctionnait comme ça et que la modifier, c'était risquer de perdre cette dynamique. Or, là, t'arrives en nouvelle saison, t'arrives avec un nouveau coordinateur offensif. Pourquoi est-ce que tu remets pas, même pas forcément les trois, t'en remets deux en compétition, t'essaies de tirer un bon prix d'un des trois, t'en remets deux en compétition et tu prends le meilleur. Enfin, tu peux rien tirer d'un des trois, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Ah ouais, en plus, bon, bah t'en gardes deux et puis bah tant pis pour le troisième. Mais le tag, s'il faut, moi je le mets pas sur Keenum parce que Keenum il est là pour moi par contexte. Certes, c'était le bon à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire que ça va l'être toute l'année. Ça peut être un Fitzpatrick des Jets, ça peut être un joueur comme ça, un joueur qui brille une année. Disons qu'en plus, moi, j'avoue que le changement de coordinateur les fout dedans. Quoi. Parce que s'ils avaient une continuité là-dessus, ils peuvent dire, bon, ils travaillent bien avec Keenum, il y aura une continuité dans le schéma, il y aura des choses, etc. Mais du coup, le changement de coordinateur... Surtout en plus, qu'apparemment, c'est un cordeau qui viendra de l'externe. Voilà. C'est donc, même pas une promotion. Donc ça leur complique encore plus ce dilemme-là. Quoi. Ça, c'est vraiment une inconnue supplémentaire. Moi, je dis, prends Bridgewater, tu fais le pari de la jeunesse. Et moi, puis, j'ai compétition qui nomme Bridgewater. Moi, j'aurais regardé Bradford. Bradford est en cristal. Comme tu dis, le souci, c'est qu'il faut signer les deux. Et on est dans une ligue où il y a quand même pas mal d'équipes, ne serait-ce que 6 ou 7, qui vont éventuellement cibler des quarterbacks avec un minimum d'expérience. Est-ce que Keenum va accepter de rester si tu lui dis qu'il est remplaçant? Alors après, sinon, c'est ce qu'on avait dit dans le fauteuil. Dans l'idéal, tu gardes Bridgewater derrière, mais sinon, c'est Keenum et draft. Moi je trouve aussi, mais. Oui, moi je pense aussi. Si tu arrives à garder Bridgewater, tu le mets titulaire. Et si tu arrives à garder Keenum en backup, parfait. Mais j'en doute. Et du coup, parce que Keenum, c'est sûr que vu la saison qu'il fait, il va avoir des offres. Bon. Allez, et ben on est bon pour les finales. On va passer au flop du match. Pour pas frustrer les fans des Eagles, bien insister quand même sur la bonne sortie de Jay au niveau du jeu au sol. Vrai. Et puis également sur l'impact de LeGarrette Blount, qui en termes de yards est pas monstrueux sur ce match-là, mais qui, comme contre Atlanta, va inscrire un touchdown décisif qui met les Eagles sur la bonne voie. Et là encore, il a été assez précieux, notamment dans les 20 derniers yards adverses. Je te laisse du temps en plus et tu savonnes. Non mais sérieux. Allez, on passe au top et au flop. Les top et les flops, Raoul et Grégory. C'est Grégory qui commence. Greg, allez. Ah d'accord. Ça veut dire que t'en as pas, c'est ça? Si. Si. Bon, Greg. Non, le top, Tom Brady, c'est difficile de dire autre chose, encore une fois. Tu fais partie du complot, donc. Sûrement, oui. Je t'ai vu rire. Surtout moi, en plus. Je t'ai vu rire. Ah bah oui, lui, plus que tout, il adore les Patriots, c'est Tom Brady. Non, mais voilà, la quarantaine, blessé à la main, contre une des plus grosses défenses de la Ligue. Et encore une fois, il a quand même eu une première mi-temps où il a été un petit peu secoué aussi. Et voilà, force mentale. Et puis, je le dis et je le répète, on cherche souvent à savoir qui est meilleur, qui a le plus d'impact à New England entre Brady et Belichick. Franchement, je le dis et je le répète, c'est pas de dire que New England n'arrivera pas à trouver un bon head coach derrière, mais jamais ils trouveront un coach comme Belichick qui a autant d'impact, qui a une vision aussi globale d'une franchise. C'est vraiment une exception dans l'histoire de la Ligue. Je pense qu'on n'a jamais vu de coach comme lui et on n'est pas prêt d'en voir d'autres. Raoul. Surprenamment, mon top, ce sera les Jaguars, parce que certes, ils se font battre, mais on l'a dit, ils se font battre par les Patriots, qui sont plus forts que tout le monde dans cette ligue. Et d'être arrivé là avec Blake Bortles, avec une défense jeune, avec un nouveau head coach, moi, je trouve que c'est une saison quand même très réussie et c'est rafraîchissant de voir des nouvelles équipes au top. Donc voilà, je leur tire mon chapeau pour leur sortie. On va pas se mentir, je pense qu'il y a pas mal de gens aussi qui voulaient voir les Jaguars au Super Bowl pour le changement, le côté en oui, pas, oui, déjà. Il n'y a pas de haine particulière des Patriots ou quoi, c'est juste de dire non, des fois c'est sympa. Le changement, c'est sympa. Un peu de changement quand t'as pas de cheval dans la course. C'est très français aussi. Voilà. Oui, on aime beaucoup les perdants magnifiques. Mais c'est vrai en tout cas, on n'aime pas les gagnants faciles. C'est ceux qui trustent l'attention. Je pense que même aux États-Unis à l'heure actuelle, il y avait quand même pas mal de gens qui avaient envie de voir un peu de changement.
vraiment. Mais encore une fois, sans que ce soit méchant contre les Patriots. Non, je suis pas une haine des Patriots. C'est frais de temps en temps d'avoir un petit pousset qui va loin. Très honnêtement, j'ai un peu galéré pour avoir un top aussi. Je pensais aux deux vainqueurs. Non, mais voilà, comme tu disais, Brady, c'est incontournable. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Comme tu disais, le mec a 40 ans. Il y a des mecs qui ont 12 points de suture. Ils prennent 15 jours d'ITT. Et lui, il est là en train de découper une défense NFL. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Donc, non, mais voilà, c'est ça. Toi, tu as 12 points de suture. Tu restes à la maison au calme. Tu te fais un petit café. T'oses même pas jouer à la console parce que t'as peur de faire mal. Tu joues à FIFA, t'es là, tu galères un peu comme ça, tu jettes la manette, tu fais non, mais c'est pour ça que j'ai perdu, c'est des points de suture. Lui, il a Calais Campbell qui arrive sur lui pendant 3 heures et il est zen, donc qu'est-ce que tu veux trouver à ça? C'est le jus d'avocat. Et top, la all-line des Eagles. Je répète, gros boulot. Les lignes des Eagles, les flops. Grégory, moi je peux commencer, mais comme tu veux. Bien sûr, j'ai un trou de mémoire. Décidez-vous déjà. Moi je prends, c'est les fans des Eagles. Pourquoi J'ai vu une vidéo passer, je sais pas si vous l'avez vue, où t'as des fans des Vikings qui arrivent au stade et qui se font, mais c'est horrible, ils se font insulter, siffler, on leur jette des trucs dessus par tous les fans des Eagles qui sont en rang là, qui les attendent tous. Et le commentaire du tweet, c'est ça doit être à ça que ressemble quand t'arrives en enfer. Okay. C'est un peu ça. Ouais. Sympa. Tout le monde est là sur le bord à te siffler, à te faire des doigts d'honneur, à te F-worder, comme on dit en anglais. Les fans des Eagles ont quand même une petite réputation. Ouais, alors, je parle des fans américains, que les auditeurs commencent pas à... Les fans américains, notamment, ce qui vont les fans sur place, en fait, sont quand même réputés pour être assez sauvages. Ils ont sorti aussi une bannière où ils disaient gentiment à la mamie de Minnesota d'aller se faire voir voilà, c'est ridicule. Et comme l'a tweeté un de nos auditeurs, c'est bien plus sympa quand même quand c'est des rivaux dans le stade. Après, avant, pendant, tu peux être sympa entre supporters. C'est la fête avant tout. On sait que le sport ne fait pas toujours ressortir le meilleur des gens. J'ai retrouvé mon flop. Ah, et puis j'adore parce que c'est pas du tout de l'acharnement. Parfait. Qu'est-ce que c'est, dis-nous. Bonjour aux Saints qui ne sont plus en playoff. Et un grand big up à Michael Thomas et Alvin Kamara qui ont rien trouvé de mieux que de troller les Vikings en sous-entendant qu'il n'y avait pas eu de miracle du côté de Philadelphie, référence donc au touchdown de Stephon Diggs. Alors c'est bien, ça chambre un petit peu. Après, quand on se fait marcher sur la bouche en première mi-temps et qu'on est mené 17-0 à la pause, remettre en cause la présence de l'adversaire en finale de conférence, je trouve ça un petit peu moyen. Donc c'est bien d'être aussi bon perdant et Michael visiblement Thomas, chez certains joueurs des Saints on n'est pas capable de l'être. Très bien de rien dire. Moi le flop, ça reste pareil, ça va faire acharnement, hein, mais c'est ces deux genoux au sol à 55 secondes de la mi-temps dont je ne me remets absolument pas. Ah ouais, un gros flop coaching staff des Jaguars quand même. Aux deux. À celui qui est incapable qu'on lui fasse confiance pour. Non, mais en plus, encore une fois, c'est pas un flop. Il pouvait pas, mais. Enfin, faut le tenter. Mais essaye. Non, mais voilà, t'as choisi ce mec. Le flop, c'est de pas avoir essayé. Et puis par contre, là pour le coup, il est même plus pour le coaching staff, en effet, parce que tente une screen pass dans ce que tu veux, mais mets pas le genou au sol. Ou à la rigueur, essaye de courir et de craquer des temps morts. Mais c'est ça. Tente tu verras. Quelque chose. T'as si Fournette fait 60 yards de sol. T'as Léonard Fournette, cours tout droit deux fois si tu veux. Tente une screen, tente tout ce que tu veux, mais ne mets pas le genou au sol à 55 secondes de la mi-temps, alors que t'as 4 points d'avance contre les Patriots. 4, pas 40. C'est sûr. Donc, pas 15. Et puis encore une fois, on l'a vu. Enfin, il y a quelqu'un qui l'avait mis sur le site aussi. Est-ce que les gens ont pas appris du Super Bowl de l'an dernier, quoi? Il faut que t'aies 50 points d'avance contre les Patriots au dernier quart-temps pour être sûr et être à peu près tranquille. T'es dur. Non, mais 70. Tu vois ce que je veux dire. C'est pas avec 4 à la mi-temps que tu fais. Non, là, ça va, on gère. Tranquille, on les maîtrise. Vous êtes sérieux, quoi? Vous jouez Tom Brady, Bill Belichick, les mecs avec 4 points d'avance comme ça, la pause. Non, on gère. C'est bon, non, on reprend le ballon après. Une possession, ça nous suffit. Hein. Ah oui, il y avait quand même ça. Ouais. Ils avaient le ballon après la pause. Donc les mecs pouvaient en mettre un field goal. Non, mais délire. Bon, on passe aux questions. Les questions sont dans la casquette des Patriots. Pour ceux qui n'ont pas l'image, on essaie de décorer. C'est Raoul qui donne les questions. On essaie de décorer le plateau au fur et à mesure avec des trucs des deux équipes qui jouent le Super Bowl. On va arranger ça au fur et à mesure de la semaine. On a un maillot de Donovan McNabb, on va ramener un maillot de Tom Brady, on a une casquette, on va faire ce qu'on peut pour décorer. Question Grégory. Alors, question de Tubluff Martoni. Alors, je vais essayer de la résumer parce qu'elle est très, très longue. Mais bon, c'est dingue. En gros, il nous demande quelles sont les différences entre les rôles de head coach et de coordinateur offensif et défensif. Alors, il sait que, enfin, si les coordinateurs appellent les jeux, en gros, quelle est la fonction du head coach s'il n'a pas cette attribution-là? De gérer l'effectif. Gère c'est tout. Ça. D'être un peu la personne. Non, mais c'est le représentant de la franchise, enfin de l'équipe, en conférence de presse, il y a lui à chaque fois. Quoi. Voilà, déjà, c'est lui qui engage les coordinateurs. Donc, déjà, il a clairement une vision sur ce qu'il veut en attaque et sur ce qu'il veut en défense.
Et oui, enfin, c'est lui qui fait les cuts avec le manager. C'est lui qui décide de les laisser appeler en plus, non ? C'est un peu le. Bah, il a le dernier mot. Si on prend le fameux exemple de Seattle, la non-course de Marshawn Lynch au Super Bowl contre New England. Voilà, Pete Carroll, il ne prend pas la décision d'appeler le jeu, mais il le valide. C'est ça, il entend ce qui se dit quand même. Il peut dire, moi, je veux autre chose. C'est aussi à ça que ça sert les casques. C'est l'appel du coordinateur et le head coach qui dit, on y va ou on n'y va pas. On peut dire, c'est un peu le rédac chef et qu'il a ses chefs de rubrique, quoi, grosso modo, mais il a un œil sur tout. Moi, c'est ça. Vas-y, Raoul. Tars Velder, qui revient un peu sur la discussion qu'on avait tout à l'heure des quarterbacks de Minneapolis. Lui, il pense que Bradford va partir, mais alors si c'est le cas. Est-ce que ce serait vers des équipes qui n'ont pas de QB en partant de l'idée qu'il deviendrait un titulaire, vers des franchises où le QB est un point faible et tu le mets en compétition, ou alors est-ce que tu le mets leader d'une équipe qui a un jeune quarterback ? Est-ce que Bradford est un titulaire, un compétiteur pour un vétéran leader ? J'évite de mettre en concurrence avec un rookie, parce qu'on a vu que Sam Bradford, il pleure quand même assez rapidement dans un vestiaire. Justement, pour le rôle du head coach, c'est important. Mmh. Et non, blague à part, je le vois bien. Moi, il y a deux points de chute où je le vois peut-être atterrir. C'est les Giants, puisque Pat Shurmur est donc le head coach depuis quelques heures. Et voilà, ils se connaissent un petit peu. Shurmur l'a coaché à Saint-Louis à l'époque et donc à Minnesota cette saison. Sinon, peut-être Washington, si Cousins ne re-signe pas, ça peut être un joueur qui correspondrait au système de Jay Gruden. Après, moi, j'ai pas beaucoup d'intérêt pour Bradford, sachant qu'il dure 3 matchs en moyenne. Ouais, donc, je m'intéresse aux mecs qui peuvent jouer plus de 3 matchs. Aloïs, salut les gars. Rassembler les Parisiens au Hard Rock Café le soir du Super Bowl, c'est génial. Avec leur très bon burger au steak de chou-fleur. Et avec. Non, mais il y a des oignons, il y a plein de trucs dedans et tout, c'est vachement bon. Non, mais c'est vrai en plus. Mais ça reste ironique. Mais je laisse sa chance au produit. Mais bon oui, sang, je dis que moi, j'aime pas. Mais oui. J'ai le droit de dire que j'aime pas. Oui, mais t'aimes bien celui du Hard Rock Café. Je ne dis pas que t'aimes pas ce que j'aime pas à chaque fois que tu cites un plat. Il disait, mais quid des provinciaux, est-ce que ce serait possible de mettre en relation des fans de TDA hors Paris? Bah déjà, merci de votre boulot, donc disait Loïs. Après, vous pouvez le faire dans les commentaires, sur le forum. Sur le Discord aussi. Oui. Enfin, il y a plein de moyens. Hein. Après, on n'a rien contre la province, au contraire. Bah, nous, non. Mais c'est vrai Raphaël Masmejean, peut-être. Comment il balance. Oh la vache. Il est même pas... Quand les absences sont pas là pour se défendre, c'est pas joli ce que Raoul tu fais. Est d'une délicatesse à l'antenne. C'est Bon, mais après que les absents avaient toujours tort. Apparemment. Je pense que quand il faudra désigner les gages, il saura s'en rappeler. Question de Anthony Barbry. L'absence de jeu au sol chez les Pats, est-ce un problème? On l'a pas dit trop tout à l'heure, de ce non, que, parce que quand ils en voudront, ils l'utiliseront. Ouais, s'ils veulent, ça marchera. Jack Crash qui demande, comment avez-vous trouvé la saison? Bien. Un peu bizarre. Courte. Ah bon, bizarre? Bah, je sais pas, tu te retrouves avec Jacksonville, Philadelphie. Bah, c'est l'intérêt. De... C'est bon, ouais, bizarre, justement, moi, je trouvais ça sympa. Ouais, super, ouais. Moi, je trouvais que ça changeait. Les Titans qui gagnent à Kansas City, il y a des choses étranges. Il y a eu des choses passées, étranges. Il y a des moments où on était un peu en mode slider. Mais si on savait pas trop, ça ou les playoffs NBA où tu sais d'avance qui va gagner avec combien de points. Ah oui, alors du coup, oui, on sait pas du tout qui va gagner cette année. Des fois, bizarre. En tout cas, on n'a pas une petite idée. C'est vrai que là, on s'est un peu fait. Ah, d'accord, mais au dernier moment, quoi. Franchement, c'était serré, Patriot Jaguar. Franchement, j'ai écouté, les gars. On se dit... Attends, t'es dur parce qu'on se dit que sur un match, tout est possible, déjà. Un. Deux, on a enterré les Eagles quasiment tous. C'est vrai. Ces dernières semaines, et ils ont gagné. Mmh. Et trois, à chaque fois que les Patriots ont perdu le Super Bowl, ils étaient ultra favoris contre les Giants. Il y a une saison où ils arrivent invaincus. Ah non, mais on parle de cette saison. Non, mais qu'il y a une indécision en NFL, je vais pas le contredire, mais voilà, cette saison, je la trouve un petit peu étrange à plus d'un trait. Question d'une pierre de Coubertin, Bill Belichick, pardon, construit une équipe où tout le monde est remplaçable sauf Brady et finalement tout le monde brille, le schéma et l'équipe avant le talent perso. Quelle autre équipe se rapproche le plus dans la construction? J'ai vu quelqu'un dans les commentaires qui lui suggérait les Browns. Mais parce que c'est vrai qu'il y a une homogénéité dans la nullité. Ah bah ouais. Il y a une sorte de. C'est un effort de collectif aussi. Ouais. Mais il faudrait pas que Miles Garrett gâche tout ça en étant bon. Non, plus sérieusement, je sais pas. Bah, on a vu quand même que les Vikings faisaient quelque chose qui était à peu près dans cette idée-là. Donc quelque chose qui ressemble à ce que font les Patriots. Bah, avec du talent partout et un système où tu peux interchanger les mecs. Quoi. Alors, je sais pas si c'est aussi marqué. Sachant mais que les Vikings ont perdu leur coureur titulaire, ils ont perdu leur quarterback titulaire, ils ont perdu. Voilà, il y avait des. Peut-être. Bon, après, sur le mode de construction, je t'aurais peut-être cité les Ravens. Les Ravens, les Ravens aussi, ouais. Peut-être. Ouais. Oui. Bon, avec un peu moins de réussite, mais.
C'est à toi de poser une question. C'est à toi, ouais. Ouais. Attends, tu peux la poser parce que j'étais en train de juste de vérifier quelque chose par rapport à la question parce que j'ai demandé de précision cet après-midi sur les commentaires. D'accord. Gotenks qui nous dit « Salut l'équipe, merci pour vos émissions. Pensez-vous que les Jags avaient la moindre chance de gagner, peu importe le jeu qu'ils auraient développé ? Et donc, est-ce que les Patriots sont vraiment avantagés par les arbitres ? Non. Non. Grégory, non plus. Oui, je suis pas Non, bah, et, j'ai dit tout à l'heure. Et si Foles ramène le Super Bowl à Philly, il faudra choisir entre Vance et Foles pour l'avenir. Qui voyez-vous être échangé ou il faudra pas choisir. Qui vont choisir entre Vance et Foles. Il faudra pas choisir, c'est Vance, c'est tout vu. Voilà. Est-ce qu'on prend le mec qui a 30 ans ou celui qui en a 22, quoi, grosso modo ? C'est un peu ça. Voilà. Donc, question de Brady Peu. N'est-il pas temps d'apprécier la dynastie des Patriots à sa juste valeur ? Ce que fait Brady sans Edelman et sans Gronk face à la meilleure défense aérienne de la Ligue à 40 ans, qui plus est, juste incroyable. Est-ce que il termine par ce sobre haters qu'on a hate. Alors, est-ce que je peux me permettre, allez, quitte à ce qu'on se fasse des amis pour le coup. C'est bon, toi, tu es le rédac chef de cette émission. Non, mais en plus, c'est comme si on avait notre mot à dire. Mais non, mais c'est... non, mais tu sais, c'est amical, mais je pense que tout le monde apprécie la dynastie des Patriots. Alors, c'est pour ça que je lui ai demandé de préciser son apprécié à sa juste valeur. Voilà. Donc, lui nous explique que, en gros, comment dire, se rendre compte à quel point c'est exceptionnel en termes de durabilité. Mais alors, là-dessus, il a raison, mais j'ai pas dans l'idée qu'on ait contesté cet état de fait. Dit, tout le monde le dit, tous les gens, même qui n'aiment pas les Patriots, disent qu'ils sont lassés de les voir tout le temps au plus haut niveau. Donc, c'est, je pense qu'ils se rendent compte de la durabilité. Mmh. Et si je peux me permettre, je pense que les seuls qui, à la limite, ne l'apprécient pas à sa juste valeur, et j'insiste sur apprécier, c'est les fans des Patriots qui voient des complots contre partout, tous les gens qui les détestent, etc. Appréciez-le vous aussi, soyez dans le truc positif. Vous vivez un truc exceptionnel, la meilleure équipe de l'histoire, le meilleur coach de l'histoire, probablement le meilleur quarterback de l'histoire. Et plutôt que de vous demander si tout le monde vous déteste ou si tout le monde déteste votre équipe ou si les gens n'apprécient pas, etc., appréciez-le vous. Vous vivez un truc incroyable. Moi, j'avoue, j'ai du mal à l'apprécier. Parce que je pense que tout le monde apprécie, en tout cas au sens réaliste, ce qui se passe. Tous les autres supporters des autres équipes qui se font la télé noire depuis 20 ans, elle est réaliste, il n'y a pas de souci. Hein. Bah, en l'occurrence, moi, j'ai du mal à m'en rendre compte dans la mesure où j'ai toujours connu que ça. J'espère dans plusieurs années, quand Tom Brady arrêtera peut-être un jour, ce qui n'est pas sûr, ça va changer et qu'il y aura des changements tous les ans d'équipe. Ah ben là, on se rendra compte. Oui, aussi. Mais moi, ça fait 5 ans que je regarde la NFL, 6. Comme j'ai toujours vu Tom Brady au top, pour moi, c'est normal. Pour avoir vu des Super Bowls Raiders Buccaneers, Raiders Buccaneers, ouais, ouais, et le Giants contre qui était immonde là, Giants Ravens aussi, qui était bien laid. Enfin, pour avoir vu ces purges là et ensuite avoir vu la domination des Patriots, moi je réalise et je pense encore une fois, je pense que tout le monde réalise et tout le monde voit que c'est exceptionnel ce que fait Tom Brady. On le répète à longueur d'émission. Voilà, s'il y a des gens évidemment qui ont envie de voir autre chose, c'est pas forcément qu'ils sont haters ou qu'ils sont quoi que ce soit, c'est juste qu'ils supportent d'autres équipes ou qu'ils ont envie de voir du renouvellement parce qu'ils observent de loin et qu'ils aiment bien. Voilà, mais je pense que tout le monde réalise et encore une fois, les fans des Patriots, je sais que des fois vous êtes un petit peu touchy ou tatillon dans les commentaires du site ou quoi, et on comprend, c'est un truc passionnel, etc. Mais appréciez le truc, quoi. Faites-vous plaisir, éclatez-vous et cherchez pas à vous préoccuper des éventuels haters ou des trucs comme ça, ou les cherchez même pas, quoi. Appréciez, kiffez le truc, vous vivez un truc incroyable. On est d'accord. C'est beau. C'est à toi. Anthony Barbie, quelle solution pour le poste de quarterback l'an prochain chez les Jags ? Ils vont être tentés de garder Bortles titulaire après deux prestations. Bon, là, on va te renvoyer au début de l'émission. Ouais. Du coup, on en a quand même beaucoup, beaucoup parlé. Question de Fidel Gastro, quel est pour vous l'enseignement majeur de ces finales de conférence ? Qu'on peut aller loin avec un QB bien mais pas top, style Bortles ou Foles, ou bien qu'il faut forcément un excellent quarterback pour aller loin et vous sortir de la mouise, style Brady ? Bah, si t'as les deux, c'est bien. Enfin, si t'as une bonne défense et un bon QB, c'est bien. Voilà, c'est ça l'enseignement. Bah, il faut avoir une équipe complète avec quarterback élite. C'est ça qui te fait gagner un Super Bowl, c'est la différence. Non, mais c'est vrai. Donc, Joe Flacco était un quarterback élite. Il l'a été pendant 3 semaines. Il l'est sur 4 matchs. Non, mais c'est vrai. Non, mais il est incroyable. Donc, Peyton Manning en 2015 était un quarterback élite. Il gagnait avec sa tête. Pas avec son bras. Jérém TDA. Attends, il avait un grand front. Hein. Je veux dire, quand on dit il gagnait avec sa tête. C'est vrai. Presque pas une blague. Jérém TDA. Quel joueur improbable Bill va finir. Bill, alors attendez. Ah oui, Bill Belichick va finir MVP potentiel du Super Bowl. Je dis potentiel car on sait tous que si les Pats gagnent, ce sera Brady. Je mets une pièce sur Burkhead, on ne l'a pas vu de la saison. Du coup, il y a moyen qu'il passe 200 yards from scrimmage et de touchdown. C'est vrai que l'an dernier, James White, on aurait pu. Hein. C'est le genre. Et bah, comme je suis inspiré sur les paris ces derniers jours, non, je ne mettrai pas mes sous sur Rex Burkhead contre le run stop des Eagles. Je ne sais pas trop. Un Chris Hogan.
qui claque 150 yards et deux touchdowns. On rappelle que sur les Un Dwayne Allen qui fait 150 yards et deux touchdowns à la réception. On rappelle que sur les Super Bowls gagnés par les Patriots, il y en a un où c'est pas Tom Brady qui est MVP, c'est Dion Branch, et c'est justement contre les Eagles, si je ne dis pas de bêtises. Et il fait 13 réceptions. Question de Pedro, HS énorme, si les Girondins de Bordeaux étaient une franchise NFL, qui serait-il? Alors là, il va falloir m'aider parce que je... qu'est-ce qu'ils ont de spécial, les Girondins de Bordeaux? Ils sont pas très bons et leur coach se barre, leur meilleur joueur se barre. Non, bah c'est l'équipe. Enfin, faudrait trouver une équipe un peu comment on pourrait appeler ça, un peu cosy, un peu cosy. Un peu détente, un peu. Je sais pas comment dire ça. Enfin, l'image de la ville de Bordeaux, quoi. L'image de. Mais là, j'ai l'impression qu'il parle. Tu me parles du cadre où les gens ont les pulls sur les épaules. San Diego, je verrais bien San Diego. Il n'y a plus d'équipe à San Diego. Ouais, faut que ce soit représentatif. Tu sais, je le rappelle. Ah, bah oui, il n'y a plus d'équipe à San Diego, c'est vrai. Et il faut une équipe qui, du coup, bah, est un peu en décrépitude, comme l'a décrit Raoul. Ah, ou les Dolphins, ou genre, ils ont eu un passé un peu glorieux, ils sont sur la côte. Ouais, mais Miami, qui sont vraiment un peu. Un peu moins de cocaïne, classésés, un peu moins de cocaïne ça, à Bordeaux. Pas, j'ai pas vu l'épisode de Narcos à Bordeaux. J'espère. Non, faut je vais croiser. Narcos Bordeaux, j'ai trouvé un vin rouge un peu mal distillé. On sent la fatigue. Encore une question. Après les fans des Bortles et des Patriots, je vais me faire tomber dessus par les amateurs de vin qui vont me dire que distiller ça ne va absolument pas dans la fabrication du vin et que je suis un crétin fini. Vraiment. Là-dessus, vous avez peut-être un point parfois. Garlouche qui nous demande où est-ce qu'on placerait la dynastie des Patriots dans l'histoire, même si ce n'est pas fini. C'est la meilleure équipe de l'histoire. Attends, la meilleure dynastie de l'histoire. Ouais. Bah tu veux mettre parce que, non parce qu'il y avait une autre question qui non, c'est pas celle-là, je confonds. Oui, c'est la tout sport confondu ou juste NFL? Ah, il n'y a pas précisé. Bah, même tout sport confondu. Dans l'histoire de la NFL, pardon. Durer 20 ans, c'est NFL. Dur. Hein. NFL haut la main, du coup. Oui, parce qu'il y avait une autre question que j'avais vue et qui ressemblait un petit peu à celle-là. 8 Super Bowl en 16 ans, tu peux difficilement faire mieux. Et 6 titres, et éventuellement. Peut-être 6 titres. C'est à qui? C'est à toi, je crois. C'est à moi? Oui, c'est à toi, je crois. Benjamin Ribaud, salut, à quel genre de finale vous attendez-vous? Continuez comme ça, vous êtes les meilleurs, merci Benjamin. Quel genre de finale? Eh bien, teasing mortel. Émission de lundi prochain, lundi ou mardi, j'ai un doute. Mardi. Moi, il me semble avoir vu lundi. Ouais, lundi, on va essayer de l'avancer. Ah, on va essayer d'avancer. Ah, t'es pas au courant? Non, mais lui, il sera dans le Minnesota. Attends, je suis pas là. Oui, c'est vrai. Donc, on va essayer d'avancer pour que tu puisses faire plus de Facebook Live pendant la semaine. Chouette. Que tu t'éclates. Donc, en tout cas, la finale qu'on attend, en tout cas, on en parlera en détail. Honnêtement, on s'est plongé là dans le débrief. On va se plonger tranquillement dans la préparation, essayer d'avoir des billes et des choses intéressantes à vous dire. Ce sera lundi. Grande émission spéciale preview. Greg, à toi. Alors, question de Pavlou qui nous demande 6 victoires des Patriots au Super Bowl, combien de joueurs auront, beaucoup de joueurs, pardon, auront 3 bagues, combien selon vous finiront au Hall of Fame? Chez les Pats actuels? Ouais. Bon, y a les évidences, hein, mais. Gronk Oui, Gronk, ça me paraît évident. Ah oui, je parle même pas de Brady. Brady, il y est déjà. Est-ce qu'on peut pas faire une règle? Brady, il y est depuis 5 ans, non? Ouais, ça, on peut pas faire une règle qui peut y être déjà en étant joueur. Brady, il y est depuis un moment. Gronk, en défense, il n'y a pas encore, il y a beaucoup de jeunes. Hein. Alors, j'ai vu qu'on nous parlait d'Edelman dans les commentaires. Je sais pas trop. Il a pas fait. Il a fait des bonnes saisons. Mais il n'y en a pas. Peut-être pas un volume assez conséquent. Ah, maintenant, c'est le débat qu'on avait l'autre fois pendant la saison. Le Hall of Fame, est-ce que ça veut encore dire c'est encore très dur à attendre? S'il continue comme ça, Itaouar, je pense pas y prétendre facilement. Donta, surtout, Donta Itaouar. Il fait quand même une action méga clé au Super Bowl, c'est un des meilleurs défenseurs des Pats. Et je crois qu'avoir circuler le nom de Butler, peut-être pas non plus. Oui, remarque, oui, il fait une action incroyable au Super Bowl aussi. Il a peut-être pas prouvé pas le même volume autant que Itaouar. Et je crois qu'on nous parlait de Dean McCarthy également. Alors, je m'excuse auprès de Dan, je crois, parce que quand on parlait de Bordeaux, il a mis un commentaire sur le chat avec marqué « C'est ma question, respectez-les ». Mais je suis désolé, je connais pas les Girondins de Bordeaux. Ça y est. Non, mais débrouille-toi. Tu vas nous mettre tout le monde à dos, c'est incroyable. Mais non. Alors, en plus, alors pour le coup, qu'on ne m'accuse pas, parce que j'adore la ville de Bordeaux. Et voilà, C'est vrai qu'il a toujours voulu qu'on y déménage. Mais voilà, alors ils peuvent dire dans la rédaction, j'ai proposé plein de fois qu'on déménage à Bordeaux. J'y suis allé, j'avais adoré l'endroit. Et d'ailleurs, on adore les cannelés. Ah, ça c'est vrai, on adore. Moi j'aime bien les cannelés. Et ben alors tu vois, et j'aime bien le vin aussi. Alors par contre, je préfère être honnête, j'ai adoré la ville, mais je suis pas fan des cannelés. C'est pas mon truc. Oh, choqué et déçu. C'est tout. Ah ouais. Et bien mon autre flop de la semaine, c'est Alain Mattei. Non. Mais encore une fois, ils sont témoins. Il y a une période où en effet j'étais allé à Bordeaux et je les avais bassinés en disant que je voulais déménager là-bas. Et est-ce qu'ils me suivraient pour l'émission?
bah finalement on est encore là. Voilà. C'est Raphaël qui a gagné, on parle pas de Paris. Non, c'est vrai, c'est à moi, c'est à toi. Vas-y. Alexandre Nico, bonjour à toute l'équipe. D'où vient le fait que Nick Foles soit sous-coté à ce point-là? Blessure, pas beaucoup de saison au top, manque de Carson Wentz. Bonne émission à tous. Moi, oui, je pense surtout que c'est le fait qu'il soit arrivé en milieu de saison derrière Carson Wentz qui était étincelant, qui fait qu'on n'attendait peut-être pas ce niveau-là de lui. Et qu'il ait joué un peu comme une burne pendant quelques années aussi. Ouais, faut pas oublier que pendant longtemps, Nick Foles c'était un genre de système. Hein. Enfin, d'ailleurs, au collège, il sort d'Arizona qui est de fait une fac très axée sur un jeu hyper aérien. Donc, où c'est quand même assez dur de faire la transition en NFL. Il a réussi sur certaines saisons, notamment c'était sous Chip Kelly qui fait son énorme saison avec les Eagles. Oui. Donc voilà, il a eu ses périodes, ça dépend dans quel contexte il tombe. Et là, en l'occurrence, avec en étant assez bien entouré, parce que mine de rien, il a quand même un ancien quarterback en head coach, un ancien quarterback en coordinateur offensif, John DeFilippo également en coach QB qui a quand même une petite réputation dans la ligue. Il est quand même assez bien entouré pour faire des bonnes choses et pour avoir un bon système qui le met en valeur. Recordman du nombre de touchdowns lancés en un match, Nick Foles. Oui, non, après je taquine en disant qu'il avait joué comme un nul, mais il n'était pas dans des bonnes situations non plus. Avec Jeff Fisher. Voilà, il est passé par des purges. On rappelle qu'il a échangé contre Sam Bradford. Ouais. Il y a un truc qui est passé sur internet de les joueurs entre Sam Bradford et Nick Foles qui se sont croisés chez les Vikings, chez les Eagles, chez les Rams. Parce que Foles, on rappelle que c'est un retour. Hein, il a été chez les Eagles, il a fait sa meilleure saison avec Chip Kelly. Il a été envoyé chez les Rams en échange de Sam Bradford qui est à Philadelphie. Il a fait les Chiefs aussi. Hein. Et après, voilà, il a tourné un petit peu et il est revenu à Philadelphie cette année. C'est à toi, Greg, vas-y. C'est à moi, je crois. Alors, je fais pas exprès de les choisir. Nouvelle question de Brady Peu. Et autre question sur les Pats. Oh. Qui pour remplacer les coordinateurs offensifs et défensifs l'an prochain? Par conséquent, doit-on s'attendre à une année de transition avec tous ces changements? Mais c'est Brian Flores qui va récupérer la défense, a priori, visiblement. Oui, coach et j'en parlais la dernière fois, ça ne m'étonnerait pas que Chad Oshie, qui n'est pas coach QB, je crois qu'il est coach receveur, récupère l'attaque. Donc ce sera de la promotion interne. On va rien révolutionner dans le système de jeu. Ça reste la maison Belichick et tout ça. Moi, je m'en fais pas non plus, là, pour le coup. Yapenor, petite question simple et rapide. La malédiction du Super Bowl at home prendra-t-elle fin un jour? Les Browns gagneront-ils le Super Bowl avant la fin de la malédiction? Bah, l'année prochaine, ça s'arrête, non? Ça, c'est ce que tu crois. Atlanta, donc l'an prochain. Après, c'est quoi? C'est Miami. Il y a Miami et Los Angeles, je crois. Ouais, c'est possible. Ouais. Et il y aura sûrement Las Vegas, du coup. Il n'y a pas de nouveau petit Glendale? Oh, y a peut-être... Non, il n'y a pas un New Orleans à un moment? Non, New Orleans, en fait, il n'y est pas encore. Ah, bon. C'est Atlanta, Miami, je crois. D'accord. Ouais. Okay. Bonus, à quand un Super Bowl à Foxborough, histoire que les Pats ne soient pas au Super Bowl? Excellente question. Bonne question. J'aime beaucoup cette approche. Non, mais c'est vrai, c'est pas bête. Maintenant, un Super Bowl à Foxborough, ça me paraît improbable. Et attention. Ouais, le froid. On rappelle qu'il y a aussi une donnée importante qu'il faudra suivre dans les jours à venir. Tom Brady a quand même de fortes chances d'être élu MVP cette saison et on rappelle que le MVP n'a jamais gagné le Super Bowl. Donc les Pats pourraient briser. Ils ont joué en blanc, cher monsieur. Oui, 12 des 13 derniers victoires. Hashtag stats. Je vous confirme juste Atlanta, Miami, Tampa et Los Angeles les prochains. Donc on est à l'abri pour Tampa. On est à l'abri pour Miami. Donc Atlanta ou les Rams dans 4 ans en pleine bourre avec un Jared Goff dans son prime, Sean McVay qui gère tout. Ouais. D'autant que Los Angeles, ils ont deux chances parce qu'ils ont une équipe dans chaque conférence. Oh. Bon après, Philippe Rivers dans 4 ans, à mon avis, Philippe Rivers sera parti. Hein. Dans quel stade de Los Angeles, celui des... Bah, le tout neuf. Bah, le même, ils auront le même. Le tout neuf. Ils vont partager c'est le stade, quoi vous appelez le tout même bah, celui qui est en construction pour les Chargers, c'est les Rams. Oui. Ils vont partager comme le MetLife. D'accord, je pensais que... Attends pour moi. Non, ils auront un stade tout neuf à Inglewood. Ils font comment pour les finales de conf s'ils doivent les deux accueillir? Oh, ce serait mortel. Bah en même temps, le problème se pose aussi avec les Giants et les Jets. Je sais pas ce qu'ils feraient. Bah ouais, si les Vikings avaient été plus haut dans le classement, ils auraient pu recevoir la finale de conférence avant le Super Bowl. Oui, non, mais là, il parle des finales de conférence, ça se joue à la suite. Oui. Tu sais ce qui serait on a juste un logo NFL au milieu et voilà. Ce qui serait génial, c'est d'avoir des demi-finales de conférence où tu as Jets et Giants, Chargers, Rams qui reçoivent le même week-end. Ce serait pas mal. Ah, je pense qu'il y a un truc à faire. Ce serait pas mal. Mais y a Laura qui dit Warner avait pas gagné le MVP le Super Bowl. L'année où il gagne les Rams en effet. Non, mais c'est dans les derniers oui, là. Je crois que la stat c'est un quarterback MVP, je vais pas dire de bêtises et je me demande si c'est pas Marshall Faulk qui est le MVP cette année-là. Surtout que là, les dernières années c'est ça en fait. Non mais t'as raison, je crois que entre Cam Newton, Manning et Kurt Warner est MVP en 1999. Hein.
Bon, bah, c'est depuis 2000. Sous les yeux. Alors, c'était quoi la stat? Bah, si, depuis 2000. Comme ça, je l'ai vu passer des milliers de fois. Bah, peut-être depuis l'an 2000. Ouais, peut-être. Eh bien, au les 21e siècle, Tom Brady va peut-être siècle, briser cette les série. Les jours où les Super Bowls sont un dimanche. D'autant que Brett Favre est MVP en 96 quand il gagne aussi. Voilà, et j'ai du Emmitt. Merci les auditeurs. J'ai du Emmitt Smith MVP, du Joe Montana MVP. À mon avis, ils ont gagné certains Super Bowls ces années-là aussi. Hein. Donc, et il y a un superbe. Moi, je pense que c'est les meilleures années. Hein. 99 Kurt Warner MVP, 2000 Marshall Faulk, 2001 Kurt Warner. Voilà. Je suis d'accord. Je pense qu'on peut difficilement. Là, ça régale. En termes de qualité de jeu, on peut difficilement faire mieux. On va s'arrêter là, messieurs. Allez. Pour les questions, on en avait pas mal. On vous remercie encore. Jeudi, ce sera. Et on va s'arrêter là. Alors, petit 2 minute warning avant de tout dire d'ailleurs. Et merci donc à Laura et qui dit bien que c'était depuis 2000. Donc, petit 2 minute warning. Alors, en guise d'actu, donc vous pouvez faire des réponses un peu plus longues. C'est juste votre avis sur les embauches de coach. Messieurs, Pat Shurmur est officiellement aux Giants. Oui, c'est bien. Surprise. Non, c'est bien. Ça va redynamiser un peu tout ça. Steve Wilks, coordinateur défensif, qui part aux Cardinals. Coordinateur défensif des Panthers. Ça fait partie de cette nouvelle mode d'engager des nouveaux cordeaux. Alors, Steve Wilks, c'est à moitié vrai parce qu'il a longtemps été assistant head coach de Ron Rivera depuis son arrivée à Carolina. Donc, il y a aussi un côté, voilà, il a construit aux côtés de Ron Rivera cette équipe-là. Donc, il peut éventuellement faire la même chose du côté d'Arizona. Mmh. Il y a de la matière en défense. C'est enfin, ça, ouais. Le gros chantier Arizona, c'est en attaque et il faut voir avec qui il s'entoure. C'est ça qui est surprenant. Moi, je voyais plutôt un coach offensif du côté d'Arizona. Mais coordinateur pas. Offensif, on parle de John DeFilippo, notamment, dont je parlais tout à l'heure, le coach des quarterbacks à Philadelphie. Mike Vrabel aux Titans. Ah, lui, c'est quand même l'embauche, quoi, c'est récent, hein. Un an de coordinateur défensif à Houston, et puis alors Mike Vrabel qui avait marqué un touchdown offensif pour les Patriots à la réception dans le Super Bowl contre les Eagles. Je dis ça parce que j'ai vu l'highlight aujourd'hui. C'est beau. Non, bah c'est un petit peu. Alors, c'est exactement la même chose qu'Arizona. On a besoin d'aide du côté offensif et on engage un coordinateur défensif qui n'a pas d'expérience là-dedans. Ouais. Qui a viré tout le staff hein, quasiment déjà. Voilà, alors il faudra voir qui l'engage en attaque. Il y avait des rumeurs qui parlaient du coordinateur offensif d'Ohio State, demandez-moi du rêve. Apparemment, non. Hein. Ça a été démenti récemment, mais il y avait ces rumeurs-là. Il y avait la rumeur Todeli également qui circulait de par leur relation à Kansas City, mais maintenant que Eli est devenu coordinateur à Cleveland, ça se fera pas également. Donc, il y a une grosse zone d'ombre. Je pense qu'elle dépendra énormément de sa manière de s'entourer. Sean McVay a réussi, mais en s'entourant correctement. Selon moi, au moins avec des coachs d'expérience, à mon avis, Vrabel devra faire la même chose. Après, il a quand même côtoyé des bons coachs. Il a juste côtoyé Bill Cowher, Bill Belichick et Urban Meyer en college football. C'est pas trop mal. Et puis on termine avec un petit clin d'œil. Todd Haley, coordinateur offensif des Browns. N'empêche, on peut dire ce qu'on veut sur le caractère, ce qui est vrai, mais il a des résultats. Bien sûr. Ouais, mais je persiste ici. On dit que c'est Roethlisberger qui faisait tout du côté de l'attaque de Pittsburgh. Ça leur fera pas du mal. Avait, l'attaque de Pittsburgh n'était pas avait pas un tel impact du côté des Steelers avant Eli et après son arrivée. Donc tout dépend du quarterback. De toute façon, c'est toujours la même chose à Cleveland. Oui. Il sera capable de le développer, mais il faut aussi que le quarterback ce soit pas un Bortles non plus, quoi. On arrête là-dessus l'épisode 228. On arrête là-dessus l'épisode 228 du podcast. On vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi donc pour le podcast spécial avec nos auditeurs et tipeurs. Si vous voulez tipper, choisissez une des contreparties, donc Peyton Manning ou Marshawn Lynch, pour passer dans l'émission avec nous. Si vous avez tippé, n'oubliez pas de regarder vos mails. On a envoyé à tous ceux qui ne sont pas encore passés à l'antenne normalement. Et si vous n'avez pas reçu, n'hésitez pas à revenir vers nous avec le formulaire de contact du site. Mais normalement, tous ceux qui sont passés à l'antenne les années d'avant, on s'est permis de ne pas envoyer. Hein, c'était un passage antenne par type. Mais du coup, tous ceux qui ne sont pas encore passés à l'antenne, normalement, j'ai envoyé tous les mails. Donc j'espère que vous les avez eus. N'hésitez pas à répondre. Et on enregistre ça jeudi de 18 à 20 normalement. Et on vous envoie juste un lien. Vous n'avez qu'à cliquer. Vous êtes en direct avec nous. C'est hyper facile. Donc n'hésitez pas. On vous demandera votre top et votre flop de la saison. Voilà pour donc ce qu'il faut retenir. On vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris. Réservation, n'oubliez pas, pour la soirée du Super Bowl. Si vous voulez y aller, il faut absolument réserver parce qu'il va y avoir du monde. On remercie tous ceux qui nous soutiennent donc sur Tipeee. Je peux citer cette semaine Cazerin, j'espère que je ne vais pas écorcher, FX182CH, Lolo, Romain Brichy, Jeff The One, Guillaume, Bestla, Alexandre, Freakball, Axel Page et Versus Art. Tout ça, tous les noms Axel aussi Page. Ont été.
Ouais, ont été rajoutés dans le générique aussi. Il a été mis à jour. Yes. Prochain, on a battu l'objectif loyer en plus là, donc yes. on est bien pour ce mois-ci. Pour nous suivre sur Twitter @TDActu, @YellowRadioSa, @RaoulVDG, @CamilleSarabian, @AlainMatei pour moi-même, même si je ne parle plus de mon avis NFL sur mon compte Twitter. Je ne vais poster que des gifs de chats. Des gifs de chat et des chou-fleurs. Et des photos de steak de chou-fleur parce qu'il est très très bon. Non mais alors sans déconner, je vous conseille le burger du Hard Rock Café si vous y allez. C'est très très bon. Et même si vous n'êtes pas végétarien d'ailleurs, il est très très bon. Si Raoul perd au prono, son gage sera quand même de manger un steak au chou-fleur. Mais c'est pas un gage, il est très bon. Pour lui, ce sera un gage. J'ai déjà fait en plus. Arrêtez. Je l'ai déjà fait. J'ai dîné chez Alain, j'ai pas eu le choix. Et ouais, je fais un... Comment il dit ça avec une grimace? J'ai pas fait une grimace. Ça, c'est dégueulasse de faire ça. T'as le replay, J'ai pas fait une grimace, c'est un truc de ouf. Non, mais ça va pas ou quoi? Jamais. Non, mais ça va. Tiens, je l'ai torturé. Tous les gens que j'invite, je leur fais des burgers VG. Voilà. Quelle mauvaise. Quelle bande de malheureux. Vous vous rendez compte comme je les torture, ces gens. Bon, on vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci Camille Sarabène à la technique, évidemment. On vous remercie, on vous dit à jeudi. Il n'y a pas de fauteuil, évidemment, dimanche, puisque c'est le Pro Bowl et que ce n'est pas un vrai match de football américain. Non. Donc, pas de fauteuil dimanche. On se repose un peu, mais ne vous inquiétez pas. Lundi, l'émission preview du Super Bowl, évidemment. Jeudi prochain, enfin le jeudi d'après, ce sera un live Madden avec Mehdi et Guillaume qui vous feront la preview du match sur Madden. Et puis, tout au long de la semaine, juste avant le Super Bowl, Raoul sera à Minneapolis et il vous fera des Facebook Live là-bas. Il vous fera visiter tout ça. Donc, avec ça son va être plus beau manteau. Top. Avec son plus beau manteau. Mais non, c'est en intérieur, c'est bon. Enfin, il y a beaucoup de trucs qui sont à l'intérieur. Donc, il vous fera des lives depuis la salle de presse, depuis la tribune de presse, depuis les toilettes de presse. Enfin, tout ce qui finit par presse, il sera là. Ouais. Il sera au taquet. Non, mais voilà. Salle de presse, chambre de presse, tout. Il va nous faire tout visiter. Ça va être top et on va faire la Super Bowl Experience. Oh yeah. Allez. On vous remercie tous. On lance le générique. On remercie tous ceux qui nous suivent en live. On vous remercie si vous nous écoutez sur iTunes, SoundCloud, etc. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des petites étoiles, des pouces, tout ce que vous voulez. Ça nous aide. On vous remercie beaucoup. Je remercierai plus tard parce que là le générique est lancé. Ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots. Tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tagliato risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Rotas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.